visite privée à Rome, le candidat démocrate américain John Scanzano doit rencontrer le pape. Mesure de sécurité exceptionnelle en Italie à l'occasion de la visite du candidat à la Maison-Blanche, donné gagnant à 3-1 par pratiquement tous les instituts. Monsieur Magenta, vous êtes en retard. Dans la course à la présidence qui s'achève aux... Ah ben, Jean. Un gros problème, reste un endettement colossal. Et c'est pratiquement au bord de la faillite financière qu'il aborde la droite de ces élections. Delbert, hier soir, Scanzano a lancé une véritable déclaration de guerre. Qu'est-ce que c'est? De l'argent de poche. Ah, grazie. Ciao. T'es encore en retard, Frank. Eh oui, je fais comme toi, je deviens de plus en plus romain. Ciao, Giovanni. Monsieur Scanzano. Bonjour. Bonjour, monsieur. Espérez-vous accéder bientôt à la maison? Je crois que ça dépend des Américains plus que de moi. Hein. J'ai toute confiance en... Monsieur Scanzano, avez-vous un message pour les Américains en Europe? Qu'ils n'oublient surtout pas de voter. Est-ce que le but de ce voyage est d'obtenir un soutien de la communauté italo-américaine? Non, non, je suis venu pour manger des pâtes, c'est tout. j'ai de la famille. Est-il exact que cette campagne vous aura ruiné, monsieur Scanzano? Eh bien, en tout cas, vos dons sont les bienvenus. Mais ce sera tout, monsieur. Monsieur Scanzano. Écoutez. Non, mais attendez. Ici, Frank. Encore une question. Frank. John. Monsieur Scanzano. Ah, ça me fait plaisir. Ah, comment vas-tu? En pleine forme. Tu en as tout l'air. Toi aussi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis correspondant du Western Morning News. Ah, oh, félicitations. Félicitations à toi. Tu te rappelles la dernière nuit de la campagne de McGovern? Surtout, tu ne me parles plus de ça, s'il te plaît. Salut, Frank. Salut, John. Je te dis merde. En 1898, Nicolas, le père de John Scanzano, décide d'abandonner les terrasses et les vignes ensoleillées de son petit village natal en Sicile et il s'embarque pour le Nouveau Monde. Un immense espoir au cœur, une énergie héritée de plusieurs siècles de travail et une centaine de livres en poche. À peine arrivé... Ah, Gina, désolé de vous déranger, mais est-ce que vous pourriez essayer de savoir à combien équivalait 100 livres en 1898 et vous m'appelez? Entendu, Franck. Merci. À peine arrivé sur Ellis Island à New York, le petit Nicolas Scanzano s'entendit dire « Tu es en retard ». Pardon, c'était un très long film. Tu pouvais téléphoner. Pourquoi t'écris pas pour le cinéma? Pourquoi voudrais-tu que j'écrive pour le cinéma? Réfléchis, tout le monde à Rome écrit des scénarios de cinéma. Parce que tu connais tout le monde à Rome maintenant. Pourquoi tu fouilles dans mes poches?
J'ai besoin d'argent, j'ai quelques achats à faire demain. Ta mère t'en a pas donné de l'argent? J'ai dépensé. Je sais exactement combien il y a là-dedans. Au fait, est-ce que tu l'as prévenue, ta mère? Elle s'appelle Suzanne. Elle s'appelle Suzanne, comme c'est intéressant. Je te demande si elle sait que tu es ici. Est-ce qu'au moins quelqu'un le sait? Toi? Allô? Oui, Gina. Alors? Tant que ça? D'accord, merci. À demain, bonsoir. À l'assaut. Sabre au clair. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Ne mettez pas ça sur le compte de l'assemblage des linteaux. Je ne veux pas que les fenêtres soient placées en retrait, c'est clair. Et tâchez de faire en sorte que ce soit terminé dans les délais sans dépasser le budget initial. Allô? Oui, allô, Suzanne, c'est moi. Il est 22h30 à peu près à Rome. Est-ce que tu sais où est ta fille? J'imagine qu'elle est avec toi. Et tu as raison. N'en sais rien. Et ça ne t'a pas inquiété que ta fille ait disparu? Tu tenais sans doute à ce que j'abandonne tout, que je prenne le téléphone pour t'avertir que j'ignorais où était ton bébé chéri, mais je t'en prie, Franck. Non, bien sûr. Tu as une demi-seconde pour lui parler? Ça suffit, passe-la moi. Emma, ta mère veut te parler. Salut, maman. Non, non, ça va. J'ai pris un billet par téléphone en donnant le numéro de ta carte de crédit. Bah oui, je voulais lui faire la surprise, mais j'avais peur que tu me trahisses. Dis-lui que j'étais au courant. Ah? Sinon, il va me faire une comédie. D'accord. Bon, je te rappellerai. D'accord, quand tu veux. Je t'embrasse. Moi aussi. Merci. Portefeuille. Merci. Argent. Maman dit que tu me dois 2 ans d'argent de poche et les intérêts. C'est drôle, pourquoi j'ai l'impression de m'en tirer à bon compte? Parce que tu fais des progrès. Qu'est-ce que c'est ces camelotes qu'ils embarquent comme ça de nuit? De l'or? Il y a 2 hommes qui manquent. C'est quoi ça? Vas-y, ouvre-le. J'estime que le plus important au point où on en est arrivé aujourd'hui, c'est de prendre des décisions sur un plan économique et écologique pour sauver notre planète.
Alec, écoute un peu. Deux Américains ont été repêchés à proximité des côtes par un chalutier italien. L'un des deux hommes avait les mains coupées. Tu crois que c'est une folie relative condamnée dans l'un des Émirats? Toi, c'est la langue qu'il faudra te couper. Oh, ces Allemands sont d'une insolence. Qu'est-ce que c'est? Le journal attend son article sur John Scanzano. Ah oui, l'arbre généalogique. Il l'attendait il y a trois jours. John Scanzano est un catholique libéral d'origine italienne. Et c'est également un homme extrêmement honnête. Hélas, nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas qu'il soit élu président des États-Unis. Mais... sait-on jamais. Je ne fais que transmettre le message. Ah, n'oubliez pas que M. Harrison doit arriver de Washington. Qui est M. Harrison de Washington? L'envoyé spécial. Sam vous a prévenu par téléphone. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Je pensais que vous le saviez. Moi? J'en sais rien. J'ai idée que Sam pense que ce Harrison me secondera utilement. Mais alors Sam est un menteur et un enfoiré. C'est peut-être pour ça qu'il est directeur. D'ailleurs, j'ai toujours pensé au fond de moi que si Sam m'avait envoyé à Rome, c'était pour faire en sorte que je ne démasque pas le menteur invétéré qu'il est en réalité. Bonjour. Vous avez un nom? Carlo Ricci. Ah, vous êtes italien? Oui. Oh, excusez-moi, mais... quelle cravate extraordinaire. Elle doit être hors de prix. Non, je l'ai acheté à Bologne il y a une semaine en solde. Si j'étais vous, j'essaierais de me faire rembourser. J'essaierais. Alors, que puis-je faire pour vous? Je voudrais devenir journaliste. Au moins assistant journaliste, ça serait déjà ça. Pourquoi? Ben, quand j'étais grand comme ça, j'avais déjà la passion du journalisme. Eh oui, moi aussi. Mais un journaliste doit avant tout être rapide. Est-ce que vous êtes rapide? Je suis hyper rapide, monsieur. Bien, alors courez me chercher un cappuccino, sans sucre. D'accord, je fonce. Monsieur Harrison souhaite qu'on aille à l'aéroport le chercher. Ah oui, j'espère qu'il ne sera pas trop déçu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fabrique avec ce bureau? C'est pour Monsieur Harrison. C'est une des consignes de Sam dans son c'est une des consignes. D'accord, excusez-moi. Messieurs, soyez gentils, remballez-moi ça. Allez. Hey, andiamo, andiamo, grazie, grazie lei. Gina, soyez gentils, appelez-les au magasin et demandez-leur de nous donner une chaise et une table pour l'envoyé spécial Harrison de Washington. Bien, monsieur. Qu'est-ce que vous dites de ces deux marins qu'on a repêchés au large? Ce sont peut-être des militaires. Il y a peut-être une mutinerie à bord d'un des bateaux qui mouillent dans la baie. Non, il n'y a jamais eu de mutinerie dans la marine américaine. Le pire est toujours possible. Mais non, Dina. Oh là là, aujourd'hui, je m'ennuie comme un rat. Si vous rentriez chez vous pour écrire l'article sur John Scanzano. Ça, Gina, c'est pas une mauvaise idée. Vous savez où me trouver. Ciao, Gina. Ciao, Franck, monsieur Magenta. Votre cappuccino, monsieur. Ah, merci. De rien. Commencez déjà, votre nom? Carlo Ricci. En un seul mot? Deux, monsieur, mais c'est comme vous voulez. Ça m'arrange, j'ai pas la mémoire des noms. Excusez-moi. Ah oui? On se reverra. Oui, au revoir, monsieur. Oh, hé, je vous dois de l'argent! Non, gardez-le. Oh, c'est trop. Bienvenue à Rome, monsieur Harrison. Occupez-vous donc de Scanzano. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Bonjour. J'aimerais rencontrer l'Américain qu'un chalutier a repêché hier soir. Il s'agit d'un marin et il est sud-africain. Un marin sud-africain? Oui. Grazie, Gina. Bravo. Et lui, il le connaît. Vous êtes devenu copain avec votre marin? Il n'a pas besoin de copain. C'est un prêtre qu'il lui faut. Bonjour. Pardon. Alors ici, les repas sont servis par le carabinier. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous auriez dit si vous aviez été là hier soir? Il y en avait quatre auprès de lui. Quatre marins? Quatre carabiniers. Il y avait quatre carabiniers. Grazie, signora. Oui? C'est toi? Tu sais pas? Il est encore sorti avec quatre filles ou quoi? Quels examens lui a-t-on fait subir? À peu près toute la panoplie habituelle. J'avoue que je suis étonné qu'on ait déplacé une spécialiste de Bruxelles. Les radiations n'étaient qu'une hypothèse. Personnellement, je crois plutôt à une leucémie. Et l'autre marin? Il a pris une balle dans la nuque et ses deux mains étaient coupées nettes au poignet. Est-ce que... Pardon. Est-ce que le corps a été ramené ici? Oui, hier soir. Et est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil? Bah, il paraît qu'on ne le trouve plus. On ne le trouve plus. Depuis ce matin, personne ne sait où il a été emmené. Il faut que je voie le directeur de l'hôpital. Vous voulez bien faire patienter mon taxi? D'accord. Jeune homme, il y a une visite pour vous dans l'entrée. Je vous félicite, elle est ravissante. Pour moi?
fait, il faut que je vous parle. Ok, écoutez, je suis journaliste, essayez de me répondre. C'est important pour vous, vous comprenez ce que je dis? Ma carte. Vous n'êtes pas américain. L'autre marin non plus. Aucun de vous n'est américain. Sud-africain. Sud-africain? Qu'est-ce qui est arrivé à votre copain? Oui, oui, je sais, mais il paraît qu'on lui a tranché les deux mains. Pourquoi? Et votre bateau? Je voudrais savoir comment il s'appelle. Le Black Mamba. Le Black Mamba? Ok, pourriez-vous me dire où il est? Appelez-moi dès que vous pourrez. Appelez, je vous en supplie. Emma. Bonjour, mon père n'est pas là? On doit déjeuner ensemble? Franck était tout à fait désolé. Il a dû s'absenter pour une affaire très importante. Mais il m'a laissé de l'argent pour que nous allions déjeuner dans un ravissant petit restaurant, toutes les deux. Inutile de vous fatiguer, Gina. Ça ne sert à rien, je sais pertinemment qu'il a oublié. Vous avez tort de croire ça. Il nous parle souvent de vous, il vous adore. Il m'adore, mais il est nul. Pauvre petite. Ciao, Emma. Ciao, Pierre. Excusez-moi. Je crois que nous sommes ici pour les mêmes raisons. Ces deux marins dont l'un est mort, mutilé, qu'on a retrouvé. Je suis expert auprès de la compagnie. Vous savez pourquoi le rescapé est en isolement? Une maladie tropicale contagieuse. Ah, c'est ça. Et vous vous appelez? Et vous, vous travaillez pour quel journal? Ça se voit tant que ça. Y a rien de plus facile à repérer qu'un journaliste. Alors, je vous présente mes excuses. Franck Magenta. Ma carte. Vous êtes loin de chez vous. Il était question de deux Américains dans la dépêche d'agence. Catherine Langlois. Enchantée, Catherine. De Bruxelles, c'est ça? Mais vous n'êtes pas journaliste. Je suis expert médical, en l'occurrence. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Certains points méritent sans doute d'être éclaircis. Ou étouffés, pourquoi pas? Nous réglons les affaires, nous ne les étouffons jamais. Nous? C'est qui, nous? Et puis, quels sont ces points à éclaircir? C'est au sujet de ce marin mutilé? Écoutez, il y a une semaine, on a repêché un jeune homme aux mains coupées, dans un lac, en Angleterre. Et à part une brève diffusion par une seule agence de presse, personne n'en a plus jamais reparlé. Peut-être une fausse information. Et alors? Il en faut plus pour décourager un journaliste. En tout cas, un journaliste honnête, comme vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Un diable. Une dernière chose, vous sauriez ce que contenait le Black Mamba dans ces cales? C'est vous, l'expert des assurances auprès de la compagnie, monsieur Magenta. Hélas, j'ai menti. Belle femme. Non, une minute, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, deux cadavres repêchés en une semaine, avec les deux mains coupées. C'est pas une coïncidence, ça. Est-ce qu'on vous a aussi envoyé en Angleterre? Thank you.
pas. Qu'est-ce qui se passe? L'alarme s'est déclenchée et on ne sait pas pourquoi. Police, ne bougez plus, gardez les mains en l'air. Oui, d'accord. Je suis journaliste. Journaliste américain. Cette affaire est à rapprocher du trafic de drogue sur la côte toscane, c'est évident. Ils l'emporteront pas au paradis. C'est à vous que je confie l'enquête, Morelli. Et sur quoi veut-on que j'enquête? Vous les a-t-on empêchés, c'est Lascar. Activite avec. Et le marin qui est mort a été mutilé? Mais depuis, le corps a disparu. Un cadavre escamoté et un carabinier abattu. Il semble qu'on ait pour le moins paniqué. Ces gens-là ne sont pas très sûrs de... Oh, il y a tout un tas de petits malfrats qui touchent à la drogue et qui sont loin d'être organisés. Aquani, qu'est-ce que vous en pensez? Ce sera tout, messieurs. Essayez de me pondre deux pages, Morelli. Sinon, on va encore nous reprocher de nous voler les pouces. Patton, monsieur. Civita Vecchia, c'est un haut lieu de trafic d'armes. Pourquoi pas la drogue? Morelli, il a de curieuses fréquentations et il dépense des fortunes en notes de téléphone. Et en petites amies. Vous avez le temps d'avoir des petites amies, vous, Patton? Je n'en ai pas les moyens, surtout. La police de Grosseto a arrêté un citoyen américain sur les lieux, un journaliste. Morelli n'a pas l'air au courant. Il faut que je voie cet Américain. Je ne sais pas qui vous êtes, mais pour la énième fois, je ne peux que vous répéter que je suis américain, journaliste dûment accrédité, et que j'aimerais bien qu'on m'explique en quel honneur j'ai été arrêté. Je ne suis pas habilité à recevoir vos réclamations, monsieur Magenta. Cela dit, je suis ici à titre officieux pour essayer de convaincre la police locale qu'elle a peut-être agi avec précipitation. Je comprends, c'est vous le gentil de service. Le carabinier Piaz a été touché à trois reprises, une fois au côté gauche, et deux dans le dos. Vous dites avoir trébuché sur le corps. Vous êtes bien informé. Que faisiez-vous dans l'hôpital? J'ai toujours pratiqué un journalisme d'investigation. Je me suis rendu à l'hôpital suite à une dépêche qui annonçait que deux marins américains avaient été récupérés par des pêcheurs italiens à 20 km des côtes. L'un était mort, l'autre était sauf.
Et vous lui avez mis la main dessus? Non, c'était trop tard. Et ce n'étaient pas des Américains, en fin de compte, mais des Africains. Vous avez vu l'un de ces hommes? Non. Ma charge consiste un peu à m'occuper des tumeurs de la société. Méfiez-vous, monsieur Magenta. Il y a des tumeurs qu'on dit bénignes, qui un jour ou l'autre s'avèrent être malignes. Sachez-moi, ça s'appelle une menace voilée. Si vous souhaitez rester ici, je suis persuadé que mes collègues en uniforme se font un plaisir de mettre cette menace à exécution. Je n'en doute pas une seconde, mais ne craignez rien, je déteste nager en eau trouble. Ah, j'ai entendu dire le contraire, justement. Oui, mais je ne suis pas responsable de ma réputation. Monsieur Magenta. Je peux partir? Oui, vous pouvez. Grazie. Arrivederci. Gina. Oui, oui, c'est moi. Oui, oui, ça va très bien, merci. Est-ce que vous pourriez m'en un petit service? Joignez Emma, donnez-lui de mes nouvelles. Et dites-lui que je serai à la maison dans l'après-midi. Oui, et dites le nouveau, comment il s'appelle déjà? Carlo, c'est ça. Dites-lui d'essayer d'obtenir des renseignements sur un bateau, le Black Mamba. Le Black Mamba. Tenez, un dossier pour vous, Morelli. Il y avait un Américain, journaliste à l'hôpital, un peu trop curieux à mon goût. Frank Magenta, du Western Morning News. On a une fiche sur lui. Il est séparé de sa femme, il a plusieurs liaisons. Sa fille est à Rome, et il fait son possible pour passer pour un bon père. Et alors, vous attendez quoi, au juste? Je suis sûr que vous ne voudriez pas qu'il se mette à raconter des histoires. Bonjour, Frank. Bonjour. Ah, t'as fait la Java. Non, je peux? Bien sûr. Merci. C'est quoi ça? Je crois que tu as mangé tout ton pain blanc, Franck. Harrison? Mais il est venu tourner un film ou quoi? Il a débarqué tôt ce matin. Il voulait savoir dans quel hôtel tu lui as réservé une chambre. Ah, parce qu'il s'imagine que moi, je lui ai réservé une chambre. Oula, en quelle galante compagnie est-il sorti hier soir? Mais voyons, Magenta ne mange pas de ce pain-là. On a des petits yeux ce matin. Vos gueules, les ringards. Bonjour, Gina. Bonjour, Franck. Sam a essayé de vous joindre. Buongiorno. Je suis Franck Magenta. Ah, je me réjouis de travailler avec vous. De vous aider à tenir la place. Dites... Pourriez-vous faire porter mes bagages à l'hôtel? Je vais m'installer à l'hôtel, en attendant mieux. Où est-il cet hôtel, Magenta? Oh. C'est qu'il y a... Il y a beaucoup d'hôtels à Rome, monsieur Harrison. Excusez. Bonjour, Gerta. Au revoir, Gerta. Dankeschön, Gerta. Dis donc, Franck, c'est Munich qui paye tes notes de téléphone? Ferme-la, Alec. Oui, j'écoute. Sam, c'est Franck. Salut, c'est Franck. Quoi, ce Richard Harrison? Un envoyé spécial, oui, je sais. Envoyé pourquoi? Quoi? Ne prends pas comme ça, voyons. Je ne mets pas en colère. Si. Tu verras quand tu feras ta connaissance. C'est déjà fait. C'est toi le patron, Sam. Je peux rien te dire. J'essaierai de coopérer avec lui dans la mesure de mes possibilités. Je voulais seulement te rappeler une chose. La rédaction à Rome est dirigée par un certain Franck Magenta. Je ne sais pas, peut-être ça te rappelle quelque chose, camarade. C'est un garçon qui était à tes côtés à l'époque où toi et lui vous débutiez. Ciao, amigo. Allez, au revoir. Désolé pour vous, monsieur. C'est rien, ça a marché? Ça y est, tout est là. J'ai joint tous les ports depuis Palerme jusqu'à Gênes. Le Black Mamba n'a accosté qu'une seule fois en Italie. Là, vous voyez, à Civitavecchia. Quand ça? Ça, par contre, c'est la seule information. Bon, mais c'est pas grave, bon, écoute. Essaye d'avoir des renseignements sur une dépêche d'agence tombée il y a une semaine environ, en provenance d'Angleterre et concernant un homme dont le cadavre amputé des deux mains aurait été retrouvé. Et méfie-toi parce que la dépêche en question n'est tombée qu'une fois. On n'en a plus jamais entendu parler ensuite.
Mais c'est une mission secrète. Hein? Merci pour le café. Oui, monsieur. Il est doué, ce petit. Hein? On verra. Excusez-moi, monsieur Magenta. Est-ce que je peux vous demander si monsieur Harrison aura sa secrétaire ou... Non, Gina. Harrison m'aura moi en guise de secrétaire. monsieur Harrison... Richard, voudriez-vous casser une petite graine avec nous? Je casse pas de graine, Magenta. Mais je dîne. Oh, très bien. Eh bien, alors, voulez-vous dîner avec nous ce soir? Volontiers. Bonjour, monsieur. Bonjour, Roger. Je suis désolé pour la pluie. Non, ce n'est pas votre faute. Jack. Bonjour, ça va? Bonjour. On se retrouve là-haut. Oui, monsieur. Alors, vaillant chasseur, est-ce que vous vous êtes amusé? Ah, ça oui. Vous êtes resté tout le week-end? Pratiquement, oui. Vous avez rencontré des gens intéressants? J'ai vu tout le monde. Ah. Je suis désolé de vous avoir fait venir en personne, Jack, mais le téléphone et le fax me semblent tout à fait à proscrire entre nos deux organisations jusqu'à ce que tout soit fini. Il y a eu des problèmes? Ah non, 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 rien qui ne puisse être solutionné. Merci. Comme vous vous en doutez, notre projet a été approuvé à l'unanimité. Et ce, sans que, pour des raisons évidentes, on ait eu à fournir trop de détails. Le bateau est actuellement en route. Les jeux sont faits et vous pouvez d'ores et déjà considérer que vos gains sont garantis. Si j'étais vous, je commencerais à faire travailler cet argent. C'est exactement mon intention. Ciao, Francesco. Mia figlia Emma. Oh, ciao. Frank! Signora. Come sta? Va bene, Giovanna. Mia figlia Emma. Ah, che bella figlia. Prego, venite grazie. Con me. Grazie mille. Ho preparato degli antipasti favolosi. Ciao, Frank. Ciao, Bruno. Guardate un po', che ne dice? Va bene. E poi abbiamo delle fettuccine. Fettuccine, mamma mia. Prego, sia comodo. Grazie, signora. Tu vois, c'est ici que je voulais t'amener. Et puis, tu m'as laissé tomber. Non, je t'en prie. Bonsoir, monsieur Harrison. Monsieur Harrison, ma fille Emma. Bonsoir. Très heureux. Bonsoir. Je vous en prie, Frank. Appelez-moi Richard. Et très volontiers, Richard. Buonasera. Buonasera. E che vi posso portare? Fettuccini, lasagna al forno, una bella carbonara. Est-ce qu'ils ont un menu diététique ici? Vous êtes en Italie, monsieur Harrison. Ici, tout est bon pour la santé. C'est un inconnu. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr, oui. En tout cas, je vous remercie. Bye-bye. Et alors, d'après vous, quel est ce candidat élu d'avance? Scanzano, c'est évident. Ah bon? Et vous croyez que si vous pouviez dénicher quelques cadavres dans ces placards d'ici à l'élection, ça pourrait modifier le résultat? C'est bizarre, vous ne semblez pas du tout valoriser ce type d'enquête, Frank. Ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Frank? Non, non. Ça s'appelle le journalisme d'investigation, vous l'avez peut-être oublié. Mais c'est votre génération, en fait, qui l'a inventé. Je n'ai pas oublié. Salut. Salut. Qu'est-ce que c'est que ce donneur de leçons? Malheureusement, je crains que ce soit l'incarnation du nouveau journalisme américain. Monsieur Magenta! Monsieur Magenta! Carlo? Qu'est-ce que tu fais là? Je vous attendais, monsieur. Bonsoir. Vous connaissez? Un peu. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai tous les renseignements que vous m'avez demandé au sujet de l'anglais aux mains coupées. Ah bon? Oui, il y a 6 jours, l'information a été officiellement démentie par la police. Mais je sais quand même comment il s'appelait. Tenez. Bradley Johnson. Oui, c'est ça. Et tu l'as eu comment? J'ai tout simplement téléphoné à l'état civil de la petite ville dont parlait la dépêche. J'ai trouvé son adresse et son numéro de téléphone. J'ai ensuite appelé des gens du coin pour leur demander s'ils connaissaient pas cet homme. Et figurez-vous qu'aucun d'eux ne savait qu'il avait été tué. Et j'ai su qu'il travaillait à Siskel. Siskel? C'est une usine de traitement d'uranium brut. Ah ouais. Joli travail, Carlo. Merci. De rien. Alors, à demain, au bureau? C'est ça, Carlo. Bonsoir, j'ai été très content de... Bye bye. Qu'est-ce que t'attends? Tu ne dis pas non, t'es...
Je suis étonné que toi, tu lui demandes pas. Essaye d'en savoir un peu plus sur l'équipage du bateau de pêche qui a récupéré les deux marins. Toi, tu viens avec moi. Je préfère aller avec Carlo. D'accord, mais fais attention. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Frank Magenta, Western Morning News. Désolé, c'est l'heure du repas. Ce sera très rapide. Je me renseigne au sujet d'un bateau, le Black Mamba. Il a dû faire escale ici, il y a quelques jours. C'est exact. Je cherche à savoir quel type de cargaison il a embarqué. Il a pris un passager et puis ses valises. D'ailleurs, sa voiture est toujours là. Quoi? Ils n'ont embarqué qu'un passager et en plus, il a laissé sa voiture? Oui. Encore une petite question, s'il vous plaît. En général, est-ce qu'un bateau doit passer la douane quand il fait escale dans ce port? En général, non. Sauf si on doit appareiller pour l'étranger. Et vous savez si le Black Mamba appareillait pour l'étranger? Ça, j'ignore. C'est un collègue qui a visé les papiers. Au revoir. Au revoir, merci. Excusez-moi. Inutile de vous expliquer. Allons-nous-en. Je viens de trouver le cadavre d'une femme à l'arrière d'une voiture. Elle avait les deux mains coupées. Quoi ? Pourquoi vous ne nous avez pas appelés? Vous seriez venu? Dites, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un aveu à vous faire. Je t'écoute. C'est à propos de ma lettre de recommandation. Oui, eh bien. C'est un faux. C'est moi qui l'ai rédigé. J'avais volé ce papier en tête. Je trouve ça nul. Pourtant, je l'ai fait. J'ai honte. Alors, pourquoi tu l'as fait? Je pensais que c'était le seul moyen de vous approcher. Je suis vraiment désolé. J'espère bien que tu es vraiment désolé. Pourquoi tu ricanes, Emma? Je suis certaine qu'à son âge, tu aurais fait exactement comme lui. Qu'est-ce que tu en sais? Bonsoir, monsieur. Carlo, reviens. Tu prends cette dépêche, tu vas au bureau et tu l'adresses à toutes les agences de presse. Et puis tu la refiles à Harrison pour la première édition.
Merci, monsieur. On verra. T'attends peut-être que quelqu'un t'appelle au téléphone. Si tu veux passer une autre nuit dehors, ça m'est égal. T'as vraiment pas froid aux yeux avec les garçons. Écoute, on s'est juste embrassés. De mon temps, c'était les garçons qui prenaient l'initiative. Eh ben, de mon temps, ils ont peur des filles. Avec des filles dans ton genre, ça ne m'étonne pas. Pourquoi tu me gifles pas? Vas-y! T'en meurs d'envie depuis que tu nous as surpris. Non, c'est faux. Où vas-tu? Qu'est-ce que ça veut bien te faire? Attends, t'en vas pas. Emma! Reviens! Chérie! Emma! Allô? Frank? Oui, Richard. Désolé, Frank, mais on ne peut pas publier votre article. Pourquoi? Parce que la police ne confirme pas l'information. Je viens de les appeler. Ouais, ben j'en ai rien à cirer, moi, qu'ils nous le confirment ou pas. Le fait est que j'ai découvert le cadavre d'une jeune femme, les mains sectionnées, à l'arrière d'une voiture, et je serais très étonné qu'il s'agisse d'un suicide. Attendons que la police italienne nous donne confirmation. Merci, chauffeur. Merci. Police! Faites comme si on n'était pas là. On fait que passer. Elle n'a pas peur toute seule? Oh si, elle a peur toute seule. Ça vous regarde? Allez, fichez-moi la paix. J'ai juste envie de discuter. Tu veux pas discuter avec moi? Oh, assieds-toi. D'Alejto? Tu as peur de moi? Ou alors je te déplais. T'entends ça? J'ai pas la cote. Et moi? Tu préfères vos copains? J'ai un petit message pour ton père. Que tu me feras le plaisir de lui transmettre, ok? Arrêtez-vous ici. Ciao, Bella. Anne, c'est jour. Mademoiselle, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il voulait? Ça va? Je suis désolé. C'est moi, Franck. Vous avez vu Emma? Ah non, monsieur. Elle n'est pas chez vous? Si elle était chez moi, je ne pense pas que vous auriez appelé, Carlo. Il faut pas te sauver comme ça. Ne me refais jamais une peur pareille. Buongiorno, Giovanni. Buongiorno, Frank. Tu permets? Prego. Grazie. C'est un délit de voler des documents dans une voiture. Ah oui? Et faire sauter une voiture et terroriser une jeune fille, ce ne sont pas des délits, ça? Si vous vous demandiez plutôt qui m'a écrit ces mots d'amour. Au point où c'en est arrivé, le mieux serait de renoncer à votre enquête. Ça ne vous regarde pas, ça. Vous n'êtes ni mon directeur, ni mon ange gardien. Quand une grenade est lancée, sait-on quand et où elle peut exploser? Il aurait été plus raisonnable de votre part d'alerter la police au sujet de votre macabre découverte. C'est ça, pour que ce soit enterré, une fois de plus. Marie Poulard était chargée des questions de sécurité nucléaire auprès de l'OTAN. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? 4 personnes ont été purement et simplement assassinées en moins de 8 jours, et on n'en a jamais entendu parler dans les médias. C'est vous, le journaliste.
Mes amis, j'ose espérer que vous ne m'en voulez pas trop pour l'autre jour. Vous êtes loin d'être direct. Je voulais juste donner une information. Quelle information? À propos du Black Mamba. Eh ben, vas-y, je t'écoute. Il semble qu'il appartienne à une compagnie suisse domiciliée à Paris, à cette adresse, et qui a 16 numéros de téléphone. Bah, mon Dieu, il transporte quel genre de cargaison? Pour l'instant, il n'y a aucune cargaison. En tout cas, il n'y a aucune police d'assurance. Sinon, il fait le transport du Yellow Cake entre l'Afrique et l'Europe. C'est quoi le Yellow Cake? Le minerai d'uranium brut. Danke schön, Bertha. Danke schön. Sur Dienst, Herr Magenta. Magenta, comment allez-vous? Et vous, Richard? Sam m'a tenu la jambe au téléphone hier à propos de vous et de votre chronique sur le Vatican. Ah, j'ai complètement oublié. J'ai cru bon de l'écrire à votre place. Grâce à Gina, qui m'a documenté. Ça s'apparente à un plagiat, mon cher. J'ai cru que ça ne vous dérangerait pas. Et Sam m'a dit aussi qu'il aimerait bien savoir, et là je le cite, dans quelle foutue galère vous êtes encore allé vous fourrer. Vous lui direz que dès que j'aurai pu éclaircir ce point, il sera informé en priorité. En tout cas, je ne vous laisserai en aucun cas signer les dépêches d'agence, Magenta. Buongiorno, Gina. Buongiorno. Oui, Carlo. Aux archives. Grazie. Vous êtes en communication avec le répondeur de la compagnie maritime helvétique. Veuillez laisser votre message ainsi que vos noms et numéros de téléphone pour que nous puissions vous rappeler. Excusez-moi. Pourquoi? C'est normal de dormir quand on est fatigué. Dis donc, j'aimerais bien que tu te renseignes sur le carabinier Piaz. C'est, tu sais, le jeune qui a été tué à l'hôpital. D'accord. Dites, monsieur, il y a des gens qui me prennent pas très au sérieux quelquefois et certaines portes me sont souvent fermées. Il y a des fois où je sais vraiment pas quoi faire. Risponde Helvetica Shipping. Je connais ça. Bon, les voilà. Vous ne devinerez jamais. Quoi? Scanzano a des arrière-grands-parents qui n'étaient pas mariés. Vous vous rendez compte? Pas vraiment. Moi, j'appelle ça un scoop. Effectivement, ça me semble mériter toute votre attention, Richard. Gina, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un témoin. Comment tu écris ton nom? R-I-C-C-I. Lève la main droite et répète après moi. Moi, Carlo Ricci. Moi, Carlo Ricci. Je jure solennellement. Je jure solennellement. De dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. De dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dans mes fonctions de journaliste. Dans mes fonctions de journaliste. Au Western Morning News. Au Western Morning News. Et que Dieu me garde. Que Dieu me garde. Félicitations. Merci, monsieur. Bravo. Merci. Tu signes là, tu colles une photo dessus et au boulot. Grazie, Gina. Prego. Alors, ta première mission officielle sera la suivante. Rends-toi tout de suite à Grossetto, j'imagine que tu sais où c'est, oui, et comment y aller. Bien sûr. C'est parfait. Je veux que tu mènes une enquête approfondie sur la vie et la mort du carabinier Piaz, Donato Antonio Piaz, P-I-A-Z. Capisce? Oui, monsieur. Ciao. Merci, monsieur. Prego. C'est insensé. Quoi? Ce n'est pas à vous de décréter que les journalistes, il faut une qualification. Oh, Richard, atterrissez, le journalisme, ça s'apprend sur le tas. Emma, c'est moi. Tu te sens mieux, ma chérie? Bon, écoute-moi. Il faudrait que tu prépares une petite valise. Et tu prends surtout une robe du soir et ton passeport. Exactement, chérie, je t'enlève. Gros bisous. À tout à l'heure. Ciao, Ricardo. Ils ont été pris il y a 4 jours par un collègue français à l'aéroport de Paris. C'est Morelli. Où allait-il? Il a pris l'avion pour Nice, où il a loué une voiture. Il a retrouvé une femme à 20 milles avec laquelle il a passé la frontière. Ensuite, ils l'ont perdu. Bravo. On n'a rien à envier aux Français, ce que je vois. À qui parle-t-il? Eric Stuben, citoyen suisse, ex-marchand d'armes. Directeur d'une compagnie maritime. Oh! Taxi! Dépêchons, chérie. Mais attends, laisse-moi, je... Non, j'ai une chose très importante à faire. Ensuite, on se trouvera un chouette hôtel et on jouera les touristes. Allez, viens. Monte, sois gentil. Dépêche-toi.
mademoiselle Langlois. Monsieur Steuben. C'est exceptionnel qu'on nous envoie quelqu'un de Bruxelles. D'autant plus exceptionnel qu'il s'agit cette fois d'une personne ravissante. Je m'occupe de physique nucléaire, monsieur Steuben. Trêve de galanterie. Et vous êtes une fidèle entre les fidèles, mademoiselle Langlois. Et donc aussi soucieuse que nous d'éviter que notre industrie soit menacée par les campagnes de nos adversaires. Et vous êtes même extrêmement concernée puisque vous menez le combat aux avant-postes. De quoi s'agit-il? D'un incident qui se serait produit sur un de vos bateaux, le Black Mamba. Amusant, non? Un ancien cargo à charbon reconverti dans le transport du minerai d'uranium brut, le Yellow Cake, comme on dit plus communément, d'Afrique en Europe. Et il transporte quoi dans l'autre sens? Je ne m'occupe pas de la question du fret, en tout cas, pas directement. Il faudrait que je demande à un collaborateur. Un léger dégagement de radioactivité est inévitablement lié au transport du minerai. C'est de ça dont Bruxelles veut parler. Il s'agit d'une plus large enquête concernant deux des membres de l'équipage qui ont disparu. Jusqu'à présent, personne n'a encore parlé de contamination. La contamination est pourtant ce qui préoccupe le plus Bruxelles. La compagnie mène actuellement sa propre enquête sur cet incident. Je vais essayer d'obtenir davantage de renseignements et je vous les communiquerai. Est-ce que les médias ont semblé s'y intéresser, à part cette fameuse agence de presse italienne? Il y a un journaliste qui a l'air sur le coup, à Rome. Je ne suis pas sûre qu'il sache exactement ce qu'il cherche, mais... il ne lâchera pas tant qu'il ne saura pas la vérité. C'est un journaliste international ou de la presse locale? Américaine. The Western Morning News. Première catégorie, regarde, c'est écrit là. Eau chaude à tous les étages, petit déjeuner, et en plus... Oui, tout le confort. Oui, tout le confort. Très bien. Allez, viens. Bonjour, monsieur. Alors, les touristes, on vient se coucher? Nous voudrions une chambre qui donne sur la rue, s'il vous plaît. Ah, vous savez, il y a pas mal de bruit sur la rue. C'est pas grave, c'est la rue qui nous intéresse. Bien, j'en ai une, seulement un lit et un fauteuil. C'est parfait. Pour une heure, deux heures... Pour une nuit, monsieur, s'il vous plaît. C'est combien? 140 et on paie d'avance. Bien. Service est pas compris. Bien sûr. Au deuxième étage. Et bienvenue à Paris. Merci, monsieur. Viens, Emma. Il est génial, cet hôtel. Quoi? Oh, écoute, il a beaucoup de caractère. C'est mieux que ces miroirs aux alouettes, où les touristes se font plumer. Ça, c'est le vrai Paris. Heureusement que j'ai une robe du soir. Oui, c'est bien d'avoir pensé à la prendre. Je cherche le marin sud-africain. Il a disparu. Il s'est pas évaporé. Vous êtes un peu jeune pour un inspecteur de police. Je suis journaliste depuis deux jours.
Vous êtes un peu jeune pour ça aussi, si vous voulez mon avis. Il avait quoi, ce marin? Ça, on se le demande encore. Forte température, dysenterie, insomnie, des rougeurs un peu partout sur le corps. On a d'abord cru qu'il avait une maladie tropicale. Et puis? Probablement plutôt une forme de leucémie. Ou bien une maladie due à une irradiation. À cause de la radioactivité? Il est interdit de répondre à ce genre de questions. Pourquoi? Ces informations sont confidentielles à l'hôpital. Alors je vous invite au café, on peut toujours discuter. Qu'est-ce que c'est beau? Comment tu trouves? Ah oui, c'est très beau. Allez, viens. Où tu vas? La compagnie maritime que j'essaie de contacter a 16 répondeurs téléphoniques. Et alors? Et alors, si je les appelle sans arrêt, les bandes des messages seront pleines. Et tôt ou tard, ils viendront pour les remettre au départ. Et je pourrais peut-être enfin parler à quelqu'un. Est-ce que tu commences à comprendre, là? C'est assez rare que je comprenne ce que tu veux me dire. Bon, ben, c'est pas grave. Dès que j'aurai raccroché, on ira manger quelque chose. Je te suis mieux, là. Guten Tag, hier ist die Helvetia Shipping Company. Vielen Dank für Ihren Anruf. Bitte hinterlassen Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre Nachricht nach dem Tonzeichen. Tu veux bien me rendre un petit service? Quoi? J'ai encore besoin de pièces. Et où est-ce que je vais en trouver? Je fais confiance à ton imagination. Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié de me donner de l'argent. Ah, pardon. Tiens. Non. Attends, il n'y a pas besoin de tout ça. Et mes frais? Tout le portrait de sa mère. Château Malartic, La Gravière, 75, bien sûr. Très bien, merci. S'il vous plaît, une bouteille d'eau minérale, gazeuse. Oui, madame. Merci. Whitehaven, Glasgow, Rotterdam, Le Havre, avec le minerai. À Marseille et à Civitavecchia, ils font escale sur le chemin du retour. Ils en profitent pour embarquer des machines et des pièces détachées pour l'extracteur du minerai. Tout ça est tout à fait normal. Vous croyez? J'en suis certain. Ce bateau est lié par contrat à l'UNC. Oui. Et quelles sont les conclusions de l'enquête que votre compagnie a réalisée? Celui qui est mort faisait du trafic de drogue. L'autre est mourant. Tout porte à croire qu'il a le sida. Probablement un drogué lui aussi. Le sida? Eh bien oui, que voulez-vous? On a beau essayer de faire attention, on ne peut pas toujours tout savoir sur le passé de nos employés. Mais celui qui est mort a eu les deux mains coupées. Qu'est-ce qu'on en dit dans votre enquête? Vous savez, ces gens-là ont leurs propres lois, souvent très barbares. Intéressant. D'ailleurs, si vous souhaitez interroger l'équipage du bateau, vous serez libre de le faire. Vous jugerez vous-même. Elle est en dérangement. Et celle-là, elle ne marche pas non plus. Je comprends pas ce qui se passe. This is Helvetica Shipping Company. Thank you for calling. Please leave your name, number and message right after the meeting. Your name, date and time, and we will call you. Dis, j'ai pas très chaud. Excuse-moi, ma puce. Quelle est la prochaine escale du Black Mamba? C'est le commandant du bateau qui est seul responsable du choix des escales en fonction de sa cargaison. Je crois qu'il doit convoyer du minerai dans environ 3 semaines. D'ici là, je ne sais pas. Il peut s'arrêter n'importe où. Où est-ce? N'importe où? Je vous montrerai. Sur une carte, ce sera plus facile. Demain matin, vous comprendrez mieux. Je l'espère. Thank you.
le Black Mamba. Et sa prochaine escale, Port Saïd. Pourquoi avez-vous un si grand nombre de téléphones, Monsieur Steuben? Pour communiquer. Bonjour. Je peux vous aider? Je cherche la Helvetica Shipping Company. Dernier étage. Merci. L'ascenseur est en panne. Dernier étage. Je croyais que l'ascenseur était en panne. Oui, il est en panne. T'as raison, Pinocchio. Mademoiselle Langlois, non? Qu'est-ce qu'il y a encore, monsieur Magenta? Je vous en prie, vous venez prendre un café et c'est moi qui paye le taxi. D'accord. Un problème? Je suis fauché. C'est pas grave, je vous offre le café. Merci beaucoup. Gardez la monnaie. Merci. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir. Bonjour, monsieur. Deux cafés et deux croissants, s'il vous plaît. Merci. Je dirais un vieil habitué. Oui, j'aime beaucoup Paris. Voyons voir. Je vous écoute, dites-moi tout maintenant. Vous, vous êtes qui dans tout ça? Comité atomique européen. Bruxelles. On continue ce petit jeu ou bien on échange quelques secrets professionnels? Je ne pense pas avoir beaucoup de révélations à faire. Évidemment. Il est vrai que la première fois qu'on s'est rencontrés, vous avez été plutôt du genre laconique, c'est le moins qu'on puisse dire, non? Et vous, que faites-vous à Paris? Le Black Mamba, bien sûr. Ils ne savent pas où il est exactement. C'est aussi ce qu'on m'a dit. Ils transporteraient du petit appareillage et des machines-outils. Sans assurance? Monsieur Steuben m'a montré les documents. Qui est Monsieur Steuben? C'est le représentant exclusif en France de l'Helvetica Shipping. Ah oui. Et quel est le lien entre Steuben et le Black Mamba? Il est lié par contrat à l'UNC. Il transporte du minerai et d'uranium en Europe une ou deux fois par trimestre. Et puis, entre deux voyages, il prendrait toutes sortes de fret en fonction de la demande. Et vous faites confiance à ce monsieur Steuben? Je fais confiance à l'UNC. Pardonnez mon ignorance, mais c'est quoi l'UNC? Universal Nuclear Consortium. C'est une puissante organisation regroupant toutes les multinationales en relation avec l'industrie nucléaire. Nous sommes fort nombreux à penser que seul le nucléaire peut sauver la planète. Ça n'a rien d'une conspiration. Si nous venons un jour à manquer d'énergie, notre monde deviendra une foire d'empoigne. Ah, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes contre? Contre vous? Contre l'énergie nucléaire. Avouez qu'après Three Mile Island et Tchernobyl, il y a quand même de quoi être un peu inquiet, non? Tous ces accidents ont eu la même cause. C'est la maintenance, le problème, rien d'autre. L'énergie nucléaire, c'est l'énergie la plus sûre, la plus rentable et la plus propre. Vous êtes drôlement convaincu. C'est le seul espoir. Je me bats pour la vie, comme je l'ai toujours fait. Et ils vous ont envoyé en Italie? Oui. Pourquoi? Une expertise à faire sur quelqu'un d'irradié. Le marin du Black Mamba. Possible.
Et Marie Poulard, ça vous dit quelque chose? Elle aussi, on l'a retrouvée morte, les deux mains coupées. Et elle travaillait dans une usine de retraitement de l'uranium. Elle a disparu depuis une semaine. Et elle se droguait. Dans ces conditions, je ne sais pas, moi, peut-être que c'est son dealer qui l'a tuée parce qu'elle ne payait pas ses dettes ou une histoire comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle faisait exactement dans cette usine? L'emballage et l'expédition du combustible nucléaire. C'est un travail dangereux pour être confié à une droguée. C'était pas écrit dans son CV. Est-ce qu'elle détournait du combustible? Monsieur Magenta, votre imagination vous entraîne un peu loin. Ah oui? Un journaliste qui a votre réputation ne devrait pas rapporter des histoires aussi absurdes à ses lecteurs. Et qu'est-ce que vous me conseillez de leur raconter à la place? Je reviens. Quel jeu on joue? Tu m'emmènes en voyage et tu me laisses en plan? Ou alors, tu m'enfermes comme si tu n'avais pas confiance en moi? Et tu disparais sans même dire où tu es? Et je te vois courir après une femme dans la rue. Je suis vraiment désolé, chérie. Combien de fois tu m'as entendu te dire ça? Des tas. Bon, mais encore une fois, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que c'est, ça? Une carte postale pour maman. Tu veux signer? Oui. Qui t'a apporté ton déjeuner? Le maître d'hôtel. Mercredi prochain, à 8h. Il y en aura pour la journée. Nous y serons, monsieur Steven. À l'Utrecht, alors. Mercredi, sur la plage. À 8h, mercredi prochain. Et quels sont les prix, monsieur Steven? Ce sera très cher, comme d'habitude. Tout est donc réglé. Mercredi prochain, à l'Utrecht, monsieur Steven. C'est quoi tout ça? Ce qui est paru sur Scanzano, c'est Gina qui a dit que ça vous intéresserait. Tu as appris quelque chose sur le carabinier? J'ai bien peur qu'il n'ait classé l'affaire. Ouais, ça m'étonne pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu pourrais rester un peu et me faire un résumé? D'accord. Mais tout le monde ici travaille déjà sur Scanzano. Qu'est-ce qu'on fait de notre histoire? J'ai bien peur que notre histoire ne soit pas très payante. Tu veux encore un peu de café? Volontiers, si ça vous dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Merci.
Tu veux du lait? Il n'y en a plus. Vous vous souvenez de moi? Ah oui, je me souviens de vous. Carlo! Vous avez dit que vous me donnerez de l'argent, qu'il m'en faut. Ils sont d'après moi. On va le monter au premier. Ferme la porte. Attention. On va l'installer sur le divan. Qui est-ce? C'est un des marins du Black Mamba. Doucement. Voilà. Couvre-le. Ça va aller. Alors, dis-nous pourquoi ils en ont après toi. Il y avait des, dans la cale, des boîtes en argent. Nous, on voulait savoir pourquoi elles pesaient si lourd. Vous avez vu ce qu'elles contenaient? J'ai besoin de pognon. Vous avez promis de m'en donner. Donne tout ce que t'as sur toi. Quand je suis allé à l'hôpital, il y a un docteur qui m'a dit que c'était sans doute un cas d'irradiation. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Excusez-moi, j'ai oublié. Je te félicite. Je suis désolé. Alors ces boîtes, qu'est-ce qu'elles contenaient? J'en sais rien. Bon. Dans quel port vous les avez embarquées? Whitehaven, en Angleterre. Au Havre. Ici, en Italie, parce qu'une personne avait raté le bateau à Toulon. Ok. Occupe-toi de lui, je reviens. Qu'est-ce que c'est? Devine. Il repartait où, ton bateau? Il repartait à l'Utrecht. En Afrique du Sud? Oui. Pourquoi l'Utrecht? Qu'est-ce qui se passe à l'Utrecht? C'est toujours de là qu'on repart. Oh merde. Regardez. Oh. J'ai la mort dans le corps, il faut pas me toucher. Je sais que je suis perdu. Qu'est-ce qu'il a? Il a été irradié. On va l'emmener à l'hôpital. Chérie, descends à la cuisine, essaye de nous trouver une paire de gants en caoutchouc. Mais il n'y a aucun risque de contagion. Qu'est-ce que tu en sais? En fac de science, n'importe qui, c'est ça. Merci. Tu as besoin d'autre chose? Oui. Apporte-moi un manteau, vite. Pourquoi ils l'ont pas tué quand ils l'ont retrouvé? Mais parce qu'une autopsie aurait prouvé que le malheureux avait été irradié. Et alors? Ils auraient été obligés de le faire disparaître pour ne pas éveiller les soupçons sur leurs activités touchant à des produits hautement radioactifs. Plus ça va, moins je comprends. Ça prouve que t'es sur la bonne voie. Emma, enferme-toi. Je reviens dès que possible. Tu pourrais ralentir, tu sautes de la voiture et tu retournes à la maison. D'accord. Appelle Catherine Langlois à Bruxelles, son numéro est sur mon bureau. Dis-lui que le bateau fait route vers l'Utrecht. D'accord. Accroche-toi. Sois prudent. Mes frères, vous êtes mes fous. Frères, vous allez vous tuer. Crevez de toute façon. Aïe, aidez-moi mes frères.
de mourir. Vous êtes bien matinal, Morelli. Je ne suis pas le seul à ce que je vois. L'affaire de l'hôpital. Le dossier a disparu. Je l'ai transmis au bureau des narcotiques pour une simple enquête de routine. J'ai peur que ce soit moins simple que ça. J'ai ouvert un nouveau dossier. Et qui sera chargé de l'instruire? Personne. Cette enquête est la vôtre. Sauf si Monsieur Magenta vous la souffle. Monsieur, vous avez quelque chose à déclarer? Non, rien à déclarer. Il n'y a pas de doute, c'est vous l'ami d'Alec. À quoi vous voyez ça? Chaque fois qu'il m'envoie un ami, c'est toujours celui qui se fait fouiller. Ça, c'est un transistor. Voilà. Ce sera tout. Merci, monsieur. Au revoir. Bon séjour. Venez que je vous aide. Je suis Franck Magenta. Ah. Et vous êtes bien monsieur Pimlet? Oui. Merci. C'est sympa d'être venu. Alors, c'est quel bateau qui vous intéresse? Le Black Mamba. Ah. C'est sûrement un des vieux tas de rouille de monsieur Steuben. Montez, la porte est ouverte. Merci. Appelez-moi Lime, comme tout le monde. D'accord, moi c'est Franck. D'accord, Franck. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est à Steuben. C'est là qu'il descend quand il vient ici, ce qui est assez rare. C'est à lui qu'appartiennent les camions qui transportent le minerai d'uranium jusqu'au port de l'Utrecht de l'autre côté de la frontière. Steuben est suisse, donc respectable. Le pays lui doit beaucoup. Du travail, de l'argent frais. C'est un peu notre parrain ici, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a à bord du bateau que vous recherchez? Peut-être des matières radioactives. M'a dit que vous ne seriez pas trop difficile pour votre logement. Oui, mais ça tombe bien. Je suis pas sûr que mon journal me rembourse mes frais. Officiellement, je suis à Rome en train d'écrire un article sur John Scanzano. Ah,
Entrez, Jack. J'ai des nouvelles du bateau. C'est pour mercredi. Tout est arrangé. Si vous voulez vraiment monter à bord, il va falloir trouver une combine. Bien matinal, Aquani. Votre enquête avance? La thèse du trafic de drogue est confirmée par le labo. Le marin retrouvé noyé avait avalé des préservatifs bourrés d'héroïne pure. Une vieille méthode. Pas étonnant que le corps ait disparu. Où sont les preuves? Le labo avait eu le temps de procéder à certains examens. Qu'on a perdu. On va le retrouver, vous énervez pas. Alors il a pu tourner. Il ne peut pas être bien loin. On a croisé une piste tout à l'heure. On va mieux aller voir.
Merde de merde! Allons, Franck, vous énervez pas. On le retrouvera quelque part. Faites attention, c'est peut-être un serpent. C'était votre radio, Franck, vous vous rendez compte? Non, c'est un compteur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vos mains, on dirait. Oh, mon Dieu. Ça ne peut être que quelque chose que j'ai touché sur le camion à bord du bateau. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez touché? J'en sais rien. J'ai les mains irradiées. Les mains irradiées. Complètement idiot de venir me suicider dans ce trou perdu. Ce serait pour ça qu'ils coupent les mains des gens qu'ils éliminent. Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire, là? Retrouvons le camion pour en avoir le cœur net. Non, je suis plus en état de continuer pour l'instant. Laissons tomber. Monsieur Davis, monsieur, on vient de recevoir une demande de renseignement de Catherine Langlois, de la Commission atomique européenne à Bruxelles, à propos de l'Utrecht. Il semblerait qu'elle ait été alertée par un journaliste reporter, Frank Magenta, du Western Morning News. Je le croyais à la retraite depuis des années, mais apparemment je rêvais. En ce qui concerne l'Utrecht, j'ai regardé. C'est un dépôt qui est administré par la Helvetica Shipping, sous licence gouvernementale exclusive. Ça va, j'ai compris. Ce con de Stuben nous met dans le bras. Si les journalistes s'en mêlent... Vous voulez que je suive cette affaire, monsieur? Non, 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 je vais m'en occuper personnellement. Merde! Oh, on dirait que M. Steuben nous honore de sa présence. Ça m'est bien égal. Moi, je tiens à sortir de ce cimetière. S'il vous plaît, allons-nous-en. Appelez-moi Rome tout de suite, Sandra. Sur ma ligne directe. Bien, monsieur. Bonjour. Morelli. Oui? Juste une seconde. Félicitations, Aquané. Et félicitations, pourquoi? J'ai appris que vous étiez grand-père.
L'autopsie du second marin a eu lieu. La mort n'est due ni à une maladie tropicale, ni à l'usage de drogue. Il avait reçu une dose massive d'irradiation, probablement après un contact direct avec des matériaux contaminés. Sans doute de l'uranium ou du plutonium. C'est votre affaire, Morelli. L'hôpital où ce jeune marin a été soigné, le même que celui où le carabinier a été tué. Votre enquête progresse, j'en suis sûr. Oui. Toujours à la recherche de trafiquants de drogue? Sergent Ponty, j'écoute. Comment se fait-il que j'apprenne par un collègue que ma fille a eu un bébé? Vous m'écoutiez pas, alors j'ai pris le message. Ma secrétaire est en congé. Alors, qui était au téléphone? Votre fille. Elle va bien? Très bien, monsieur, mais je ne comprends pas comment Morelli a su que... Vous vous posez la question? Ça me paraît très clair à moi. Il aurait mieux fait de se taire. Nous sommes sur table d'écoute, sergent. Je suis désolé, monsieur. Morelli. Il fait beau à Rome? Comme toujours. C'est toujours le centre de l'univers? Il paraît. C'est très dommage que vous ayez perdu la trace de Franck Maginfa. J'ai... Je crois qu'il serait bon de trouver une solution qui nous mette à l'abri des micmacs de ce fouille-merde. Oh, j'avais tout à fait raison, d'ailleurs. Le patron a eu une petite fille à 8 heures. Elle pèse 3 kilos. Dehors. Finocchiaro. Tout ce que j'attends de vous, c'est un bon gros pavé à balancer dans la mare de Franck Maginfa. Trouvez-moi des photos de lui. Ah, ils veulent du saignant. Eh bien, on va leur en donner. Maginfa a disparu. Ça fait quelques jours qu'on est sans nouvelles de lui. Dehors. Emma, réponds au téléphone. Pourquoi elle ne décroche pas? Alors voyons, Franck. Il faut bien qu'elle s'amuse un peu. Elle doit être avec son copain. Il va peut-être arriver quelque chose. Je m'attends au pire maintenant. C'est comme ça depuis que je suis née. Mon père est toujours à l'autre bout du monde. Il est sur un super coup, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est parti. Il a eu 2 fois le prix Pulitzer, je te signale. Oui. Mais il a dit que c'était la pire tuile qui lui soit jamais arrivée. Comment il a débuté? Il dit qu'il a été engagé parce qu'il faisait le meilleur café de New York. Le meilleur café? C'est marrant, la première chose qu'il m'a dite quand je suis entrée, c'est ça. T'es rapide, va me chercher un café. Dis donc, tu l'idolâtres, ma parole? Oui, et c'est normal. Et si on changeait un peu de sujet? Ok. De quoi veux-tu qu'on parle? Un mot de trop, ce type est dangereux comme la peste. Papier. Mon passeport et ma carte de journaliste. Monsieur Franck Maginfa? Oui, monsieur. Et monsieur Laimé, qu'est-ce qu'il a à faire dans les parages? Il n'y a pourtant pas de bistrot dans le coin. Monsieur Maginfa souhaitait que je l'accompagne à l'aéroport. Il est amusant, ce Laimé. Il croit que le fait d'avoir fondé un foyer chez nous lui confère des privilèges. Comme M. Pimlet n'a pas eu le temps de vous le dire, je vais prendre l'avion pour Rome. D'abord, vous me suivez. Ensuite, vous rentrez à Rome. Puis-je vous dire, en tant qu'Américain et en tant que... Les mains sur le capot et plus vite que ça! Franck, croyez-moi, ce n'est pas la peine de... Il ne joue pas au cricket ici, vous savez. Eh bien, mordu par un serpent, peut-être. Les abords de la ville en sont infestés. Je vous souhaite la bienvenue dans mon pays, bien que je déplore que vous ne nous ayez pas informé officiellement des raisons de votre venue, monsieur Maginfa.
Il me semble que vous connaissez Mademoiselle Langlois. Vos élucubrations concernant ce bateau qui transporterait des produits radioactifs ont eu au moins un résultat. Mademoiselle Langlois est venue de Bruxelles dans l'intention de l'inspecter. Une inspection qui n'a donné aucun résultat. Et c'est pour ça, j'imagine, qu'on m'a arrêté et traîné jusqu'ici. Vous êtes grand reporter, monsieur Magenta. Un autre grand reporter est venu avant vous. Quelques jours après, le ministre de l'époque a été congédié. Alors, si vous savez quelque chose que j'ignore, j'aimerais être au courant. Actuellement, je recherche des renseignements concernant plusieurs meurtres en relation avec la cargaison du Black Mamba. C'est pour ça que je suis monté à bord hier soir. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez fait pour monter à bord d'un bateau aussi bien gardé? Je vous le dis à une condition. C'est que vous me disiez pourquoi il était si bien gardé. Ce bateau transporte du minerai d'uranium à destination de l'Europe et en général, il revient avec un chargement de déchets industriels en provenance d'Europe. Il y a un certain risque sanitaire évident inhérent à ce genre de frais. C'est regrettable, je vous l'accorde. Hélas, nous n'avons pas d'autre source de devise en l'état actuel des choses. Si nous trouvions une alternative, nous en serions enchantés, je vous assure. Excusez-moi, mais moi, hier soir, ce ne sont pas des déchets industriels que j'ai vus sur ce bateau. Ah oui, alors qu'est-ce que c'était? Je crois que vous le savez aussi bien que moi, commandant. Mademoiselle Langlois, avez-vous inspecté ce bateau? Oui, et je n'ai rien pu constater d'extraordinaire. Tout était en règle à bord. C'est bien du plutonium. Il est de très bonne qualité. On peut l'utiliser à des fins militaires. Où est ton ami Magenta, petit? Comment vous êtes entré? Les logeuses se sont toujours avérées très coopératives, en particulier quand elles louent des chambres sans les déclarer aux autorités. Elles sont dans leur tort. Et toi, tu es employé par M. Magenta sans le moindre contrat et sans papier. Tu es dans ton tort. Je suis pas employé. J'ai pas eu de boulot depuis 2 ans. J'apprends sur le tas. Il y a plein de choses à faire pourtant à Rome, pour les beaux gosses dans ton genre. Ta maman ne t'a pas dit que c'était anti-hygiénique de dormir sans pyjama? Je suis persuadé que nombre de mes collègues se feraient un plaisir de te trouver un emploi stable dans l'administration, où on ne te donnerait pas trop de travail. J'adore travailler. Oui, on a remarqué. Tu as découvert quelque chose à l'hôpital? Quel hôpital? Qu'est-ce que tu cherchais? Frank Magenta, où est-il? J'en ai pas la moindre idée, on me dit rien, je suis nouveau au bureau. Il n'est pas impossible qu'on finisse par te soupçonner d'être mouillé dans la tuerie de l'autre soir. Mais quelle tuerie? Je suis très vite agacé par les individus qui s'en prennent aux policiers. Je dirai rien. Absolument rien. Ils vous ont retenu tard, vos nouveaux amis. En tout cas, vous n'avez pas peur de vous faire des ennemis, seulement... C'est la moindre des choses pour un journaliste digne de ce nom. Vous savez, avoir des amis haut placés, ça a ses avantages, mais ça peut aussi avoir de graves inconvénients. C'est aussi le cas quand on connaît un journaliste comme vous. Qu'est-ce que vous espériez prouver en venant ici? Vous m'avez fait faire le voyage jusque dans ce sordide pays, et tout ça pour une vague présomption de contamination sur un bateau. Ah, la ferme! Non, c'est vous qui allez la fermer. Et la prochaine fois que vous courez comme ça après un lièvre imaginaire, je vous en prie, faites-le surtout sans moi. Tenez ça. Quoi? Branchez. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve, bon Dieu? Je suis dans cet état parce que j'ai touché les cylindres qui étaient à bord de ce foutu bateau. Et à l'heure qu'il est, ces cylindres, ils sont dans la nature, sur un camion ou quelque part dans ce foutu pays! Attendez. Monsieur Magenta. Monsieur Magenta, attendez. Je suis désolée. Ah oui? Je regrette. Écoutez, j'aimerais vous aider. Alors racontez-moi tout.
Maintenant, je crois que ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de créer les conditions économiques et politiques pour que l'industrie américaine puisse redevenir dans les années à venir la locomotive du monde. Mais pas n'importe quelle locomotive, une locomotive verte. Le bureau de Monsieur Magenta. C'est juste là, à droite. Là, la priorité doit être donnée à la lutte contre les pollutions, et cela, quel que puisse être... Monsieur Harrison ? Monsieur Harrison ? Hein? Monsieur Magenta est l'objet d'une enquête de routine. C'est son bureau ? Oui. Vous cherchez quoi ? Ferma ! Aspetti ! Vous avez un mandat. Gina, Gina ! Monsieur Magenta n'a commis aucun délit. Monsieur Harrison, si cette femme ne quitte pas les lieux, immédiatement, je me verrai contraint de l'arrêter. Oh, ça, alors, c'est... Il n'a aucun droit, allez. C'est pas possible ! Vous voulez nous attirer des ennuis ? Hé, hey, là. Hé ! Hey. Je crois que je vous ai demandé de me dégoter quelques photos de Scanzano aux archives. Si vous voulez vraiment être embauché, faites ce que je vous dis. À vos ordres. Vous avez eu de la veine, en réalité. Il ne s'agit que d'une légère irradiation. Ah oui? C'est-à-dire? Disons que ça équivaut à la dose emmagasinée par un opérateur de rayon X travaillant sans gants pendant 10 ans. Comment vous savez ça? À chacun son boulot. On a pourtant foutu en l'air. C'est psychosomatique. Il y a un marin africain qui est en train d'en mourir. Je sais, mais il a peut-être avalé le produit. J'ai l'impression que vous savez très bien ce que c'est, le produit. Non, pas du tout. Ce sont des hypothèses. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est du plutonium. Vous savez ce qu'on en fait en général, du plutonium, mademoiselle Langlois? Donnez-moi vos mains. On en fait des bombes, monsieur Magenta. Vous êtes tout à fait au courant. Alors aidez-nous à retrouver cette cargaison. J'ai déjà perdu le pouvoir d'investigation en Europe. Dans ces conditions, à quel titre obtiendrais-je une perquisition dans ce pays où je ne suis rien? J'ai le droit de faire qu'une chose, c'est de faire un rapport susceptible de provoquer des réactions. Dans l'état actuel des choses, votre rapport ne donnerait rien. Je n'en suis pas responsable. Ah bon? Alors qui est responsable? Oh, je veux quitter ce pays au plus vite. Il me donne la chair de poule. Pourquoi il me donne la chair de poule? Arrêtez de poser des questions. Aidez-moi. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Je vais repartir pour Bruxelles. Et je reprendrai le problème là-bas. Le problème, comme vous l'appelez, se pose ici. Vous ne réglerez rien de Bruxelles. Si, justement, parce que je vais emmener ça à Bruxelles. Pourriez-vous me raccompagner à mon hôtel, monsieur Lamy? Je dois réserver un billet d'avion. Je viens avec vous. Il faut que je joigne ma fille. Mm-hmm. Personne n'ira nulle part. C'est trop dangereux, la nuit. Et qui plus est, il y a un couvre-feu. Je suis désolé. Il va falloir rester avec nous. Qui est-ce? Monsieur Frank Magenta, hein? Ah, non, je suis désolée, il est en voyage. Vous pouvez vous parler? Oui, oui, bien sûr, je vous en prie. Bonjour, police. Je voudrais voir vos papiers, mademoiselle. Mes papiers? S'il vous plaît. Laissez-les entrer. Ici, et un peu moins sûr de bruit que ça s'est passé ici. Ah, tenez, vous voyez bien. Ça ressemble plus à un bordel qu'autre chose, si vous voulez mon avis. Vas-y, dis-le.
Jeter un coup d'œil. Ted. Dis-le. Parle. Oui. C'est bien ici qu'il m'a amené. C'est ici que tout s'est passé. Là, sur ce tapis. Il a relevé ma joue. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? Je l'ai supplié, mais laissé partir. Et puis il m'a bâillonné. Il m'a obligé à... Le salaud! Vous vous rendez compte? Une enfant! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toi aussi, tu... Moi? Nous avons un mandat d'arrêt contre Monsieur Frank Magenta. Il est accusé d'avoir molesté et violé mineur. Ah, il doit y avoir erreur sur la personne. Vous habitez ici? J'habite New York. Je suis Emma Magenta. Personne. Vous êtes sa fille? Où es-tu? Je l'ignore. Emma? Allô? Emma? Tu m'entends? C'est moi. Emma? Je vous remercie. Emma, qu'est-ce que tu dis? J'entends très mal. C'est moi. Tu as eu mon télégramme? Oui, mais où es-tu? Quand est-ce que tu reviens à Rome? Je t'entends plus. Chérie, allô? Quoi? Si tu m'entends, écoute bien. Il se passe de drôles de choses. Je sais pas si j'arriverai à tenir le coup toute seule. Allô, Emma? Emma? Ta mère a eu mon téléx? Allô? J'entends rien. On dirait que nous jouons de malchance tous les deux. Il faut que j'attende jusqu'à demain matin. Ah, il n'y a pas d'avion avant. Alors, on fait quoi en attendant? Quelqu'un cherche sûrement à le compromettre. Mais enfin, pourquoi? J'en sais rien, il n'a rien à se reprocher. C'est à cause de son enquête, c'est ça? Oui, c'est ça, mais s'il n'y avait pas des gens comme lui, le mot démocratie n'aurait aucun sens. Et en fourrant son nez partout, c'est sûr qu'il dérange beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il est comme ça. Hier soir, monsieur, à l'aéroport, l'avion arrivait de Paris et il est reparti pour l'Afrique du Nord. Qui est-ce? On est en train de l'identifier en liaison avec les Français. Il a dû transiter par Paris. Je suis tapé un vol de 21h pour essayer de réparer vos bêtises. Juste au moment où il était primordial que l'Utrecht demeure dans l'ombre, le pays est envahi de journalistes et pire encore de bureaucrates. Juste un journaliste et une bureaucrate, et ils n'ont absolument rien trouvé. La question n'est pas là. Ces gens n'ont rien à faire à l'Utrecht, et moi je n'ai rien à faire ici. Ils sont tous arrivés. Ils nous ont l'air tout à fait satisfaits. Il y a combien de groupes? Les trois qui avaient signé. On va traiter avec les Sud-Américains. Et s'il y avait encore le moindre accroc, la partie serait finie, au moins en ce qui vous concerne. C'est clair? Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous sortir de là tout seul, Stauben, avant que nous vous y forcions. Pour le paiement, on utilise toujours notre banque. L'argent doit transiter par mon compte personnel. Ou alors, je dois vous demander... une signature. Mais l'argent arrive par où? Les îles Caïmans et ensuite la Suisse. Et bien sûr Paris. Avec l'ordinateur, ça prend 30 secondes. Entre voleurs, la confiance doit régner. De changement. Je
m'appelle Carlo Ricci. Bonjour, madame, je suis enchanté de... Et lui, qui c'est? C'est Carlo, c'est son assistant. Italien? Oui. Carlo, ma maman Suzanne. Bonjour. Carlo. Enchanté. Soyez la bienvenue. Oh, c'est gentil. De rien. T'as des nouvelles de papa, toi? Il m'a envoyé un téléx d'Afrique et puis après, plus rien. Carlo, vous savez peut-être quelque chose? Oui, je sais qu'il est sur un super coup, mais il m'en a pas dit plus. Il n'a pas changé. Donne-moi ça. Merci. Franck a toujours autant de classe. C'est drôle. J'ai vécu avec lui pendant 17 ans. Et là, je me sens comme une intruse. Maman, qu'est-ce que tu penses de Carlo? Tu en penses quoi, toi? Et là, il y a un jardin. Un jardin au quatrième étage. C'est Rome. Waouh! Tu n'as pas grossi, dis donc. Ton père a pensé à te nourrir? Il me fait des plats délicieux, on passe des heures à table. C'est vrai, il fait mieux la cuisine que moi. C'est peut-être aussi pour ça qu'il m'a quittée. Je croyais que c'est toi qui étais partie. Ah oui, t'as raison. Dis, j'aimerais inviter Carlo à la maison. Je peux? Méfie-toi des Italiens, ma chérie. Ils deviennent tous comme ton père. Carlo est différent. Ah, peut-être. Non, je t'assure. Le 39 est pas là. Ah, t'es sûr qu'il en manque un. Allons-nous-en. C'est réussi comme soirée. Bravo. Si c'est vraiment du plutonium instable, qu'est-ce qui peut arriver au pire? Il devient de plus en plus chaud et radioactif. C'est tout? Très explosif. C'est vraiment charmant, merci. C'est formidable, très romantique. S'il arrivait quoi que ce soit à ce camion avant qu'on l'ait retrouvé, c'est la corne de l'Afrique qui pourrait disparaître. C'est gentil à vous de me le rappeler. Ah, vous n'avez pas la trouille, dites-moi. Après ce qui vous est arrivé hier, vous tenez toujours à le retrouver, ce plutonium. Vous êtes peut-être cinglé de naissance. Oh non, au contraire. C'est venu petit à petit, comme on s'habitue à vivre dans le crime. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous déplaît vraiment d'être ici avec moi? Vous avez l'air mal à l'aise. Oh, non, en fait, on se connaît presque pas et on est... Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Je sais pas. Mais arrêtez de les regarder. Elles n'ont rien, vous. Rien du tout. D'accord, tant pis. Merci quand même. Toujours rien. Quand elle a débarqué chez moi à Rome, j'ai pensé qu'on allait avoir l'occasion de l'apprendre à mieux se connaître. Aujourd'hui, elle est là-bas, je suis ici. Rien n'a changé. Elle est aussi belle que sa mère. J'ai très bien informé. J'ai eu ton dossier entre les mains. Ah oui? Oui. Alors, je t'écoute. Bon.
Golden Suzanne, née à New York en 1952, études universitaires, architecte, Madame Magenta de 72 à 85, année de leur séparation. C'est une séparation ou un divorce? Ça fait une grosse différence. Tu l'aimes encore? J'en sais rien. Si, tu sais. Ah bon? Oui. Ce qui me plaît en toi, c'est que tu sais où tu en es. Il y a peu de gens qui savent vraiment qui ils sont. À ce sujet, moi, je sais toujours pas qui tu es. Qu'est-ce que je lis, là? Langlois Catherine. Ah, il me faudrait des lunettes. Licence en Sorbonne. Oh là là. PhD at MIT. Oui, certainement les études de gymnastique. Bien. Mais allez, allez, continue. Docteur en physique. Nucléaire. Oui, nucléaire. Divorcé, voilà, 3 ans, sans héritier. Voilà. Un homme dans ta vie? Sauvé par le gong, je reviens. Allô? C'est Lime. Franck est là? Ah oui. Oui, il est là. Tu peux lui parler? Oui, une minute. Franck? Qui est-ce? Quelle question. Emma? Non, Lime. Lime? Il faut que je vous parle, c'est urgent. Oui, d'accord, où êtes-vous? En bas. C'est bon, on arrive. Celle que j'ai vue sur le bateau. Non, non, n'y touchez pas, ça peut être dangereux. Vite, sur la plage! Aux enchères. Une vente? Oui, une vente aux enchères. Ils utilisent une vieille technique que pratiquent les acheteurs de cocaïne en Colombie. Mais quelle technique? Regardez. Les acheteurs potentiels se réunissent à l'abri des systèmes d'écoute les plus sophistiqués. Ici, c'est l'idéal. Il y a le bruit des vagues. Le secret est garanti. Les uns après les autres, ils s'approchent du vendeur. Ils font une offre. Et la marchandise va au plus offrant. Seulement, ça demande une certaine pratique. En tout cas, pour notre ami Steuben, ça n'a pas l'air d'être la première fois. Mais cette fois, il ne s'agit pas de vulgaires missiles, ni d'armes traditionnelles, mais de carburant pour le Big Bang. J'aimerais bien savoir quels sont les prix du marché. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Tu te sens capable de conduire ce Jeep? Oh, je peux toujours essayer. Tu te souviens où elle est? Tu sais comment y aller? Oui. Alors écoute. Tu vas aller réveiller le Premier ministre et tu vas lui rapporter ce qui se passe ici. On ne retrouvera jamais la marchandise sans un coup de main de son armée.
Essaye tout pour le convaincre. Et n'hésite surtout pas à faire valoir les relations que tu as dans les différentes organisations internationales, d'accord? Oui. D'accord. Et vous deux? T'inquiète pas pour nous, on fait ça tous les jours, c'est notre métier. Vous peut-être, pas moi. Bon, soyez prudents. Bien, c'est tout de suite ou jamais. Monsieur Steuben! Eric Steuben! Vous êtes cinglé! Au contraire! Frank! Je m'appelle Frank Magenta! Je suis grand reporter au Western Morning News! J'ai une simple question à vous poser. Est-ce que vous vendez du plutonium à usage militaire aux personnes ici présentes? Je répète ma question. Êtes-vous en train de vendre du plutonium à usage militaire aux personnes ici présentes? Oui ou non? Est-ce que c'est, comme nous le pensons, du plutonium que vous leur proposez? En mon nom et au nom de mon pays, je vous remercie d'avoir fait éclater ce terrible scandale. Vous savez maintenant qu'il y a une véritable bombe atomique à retardement cachée quelque part dans le pays. Oui, je sais tout, et mon armée et ma police feront tout ce qui sera possible pour la retrouver. C'est ce que j'espérais en venant ici. Je vous remercie, monsieur le Premier ministre. Allez! Camion. D'abord. Allez, on reprend. Lève! Lève! Voilà, 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 on se calme. Convoi numéro 4. Quand vous serez à Kimbo, vous continuez 5 km et vous fouillez le secteur. Bien reçu. Bien sûr. Bien sûr. La type de tête du troisième convoi. Vous quittez la colonne et vous fouillez tous les garages et tous les ateliers dans le secteur de l'équipage. Bien sûr. Envoyez des fantassins perquisitionner le parking de Stouven. Bien sûr. La marchandise vous sera livrée à la limite de vos eaux territoriales dans 2 semaines exactement. Le dernier versement à notre banque à Paris. Complètement cinglé. Il y a de quoi faire sauter la moitié du continent. Continue. Non, pas trop, pas trop. Descends. Doucement, doucement. Voilà. Dépêchez-vous, l'armée arrive. Voilà, voilà, c'est fini. Allez. Vers l'avant, vers l'avant. Non, descends. Comment on se retrouve, monsieur Magenta? Eh oui. Et Laïmi, voyez-vous ça? Laïmi est dans tous les mauvais coups. Il veut dire que je prends tous les mauvais coups. Mais cette fois, c'est un très gros coup. Ce qu'il y a sur ce camion, que vous n'avez pas réussi à trouver, peut changer radicalement l'avenir de l'Afrique. Aidez-moi, nom de Dieu! Chico! Chico! Attrape-la de l'autre côté, vite! Attrape-la sans! Dépêche-toi! Chico! Remettez-vous à genoux! Allez! Remettez-vous à genoux! Vite! Stop! Attention, mon Dieu! Fille comme merde! Ah! Oh.
cassé? Non, ça a l'air d'aller. Et si on se tirait de là, hein? J'ai l'impression qu'on est les seuls survivants. C'est du suicide! Non, on s'arrêtera quand on aura trouvé un endroit sûr où planquer ce camion. Ça fera l'affaire. Ça ira. On trouvera pas mieux, de toute façon. C'est encore loin? Ah, je ne sais pas exactement. Il faut que vous traversiez la rivière et que vous marchiez en direction du nord. Vous devriez atteindre la frontière à la tombée du jour. Voilà, ici. Ils vont vous rechercher, vous aussi. Ah, je suis trop vieux pour déménager, Franck. Je préfère prendre ma chance ici. Allez. Je tâcherai de vous faire porter secours dès que je le pourrai, en attendant, surveillez bien notre trésor. Comme la prunelle de mes yeux, c'est promis. Vous êtes sûr que ça ira? Comme toujours, ça finira par s'arranger. On ira boire un coup pour fêter nos retrouvailles. On ne revient jamais dans ce foutu pays. Si, je reviendrai, moi. Vous avez ma parole d'honneur. Allez, filez. Merci. À bientôt. Comptez sur moi. Je m'appelle Frank Magenta, journaliste américain en reportage pour le Western Morning News. Si je peux mettre la main à ma poche, je vous présenterai mon passeport. On est à l'Utrecht, c'est ça? Oh non. Vous êtes à Camon. J'en suis très heureux. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Et sans vouloir faire de l'ironie, je dirais simplement qu'il y a de fortes chances pour qu'en janvier, on y voit nettement plus clair à Washington. N'en déplaise à notre cher George. Ou à Barbara. J'ai oublié le nom du chien. Je suis persuadé qu'on y verra beaucoup plus clair dans tout le pays. On va gagner. Merci. Vous arrivez d'où? Camon, Afrique. Vous comptez rester combien de temps en Italie? 2 semaines. Allez-y. J'étais sûr que c'était vous. Libérez-le. Grazie. Grazie.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Où est le plutonium? Ça, je suis prêt à vous le dire en échange d'un coup de main. Le plutonium dépend des militaires. Je leur transmettrai. Très bien. Il est sous la surveillance d'un ami sur un semi-remorque à Utrecht dans un endroit extrêmement isolé. J'ai dessiné un vague plan de la région. Si vous étiez arrivé jusqu'au contrôle des passeports, vous auriez été interpellé et placé en état d'arrestation. Pourquoi? Suite à un mandat d'arrêt, vous êtes accusé de viol avec violence aggravée sur une jeune fille de 15 ans. C'est pas vrai. Qui m'a fait un coup pareil? Celui qui a terrorisé votre fille, incendié votre voiture et poussé il y a 2 jours votre assistant sous un train. Carlo a été poussé sous un train? Il n'a rien, mais ne dormez pas chez vous cette nuit. Demain matin, nous dresserons la guillotine. Ce sera à vous de décider si vous offrez votre nuque au bourreau. Quelqu'un de mon entourage a participé à l'affaire dans notre pays. Quelqu'un qui protège les trafiquants en tout genre depuis de nombreuses années. J'aurais besoin de votre aide pour l'éliminer. Comment? Votre jeune assistant peut nous être très utile. Vous m'avez l'air d'un drôle de manipulateur, Monsieur X. Il vous faudra le persuader. Le persuader? Mais de quoi? Ne servir de pas à la police, comme moi je l'ai fait depuis le début de cette affaire, pour que vous coinciez votre confrère en priant pour qu'il n'ait pas eu le temps de nous flinguer tous impunément? J'avoue que tout ça fait un peu désordre, Monsieur Magenta. Mais tôt ou tard, tout le monde passe un jour à Rome. Dirigeants de multinationales, politiciens, ecclésiastiques. Ils s'arrêtent à Rome, ils dînent à Rome, et ils dorment à Rome. Et dans leur majorité, nous les surveillons. Et nous connaissons très vite leurs petites habitudes. Morelli est au courant de bien des choses. Si vous le menacez, il sortira quelques bouts à toute sa poche. C'est lui, la tumeur dont vous me parliez? Très dangereux et très maligne. Buonasera, Giovanni. Ciao, Frank. Carlo. Je suis vraiment désolé. Je vous cite, premier devoir du journaliste. Si on t'envoie dans le décor, tu attrapes ton stylo et tu continues à faire ton boulot. Et tu fais bien attention, pas de faute d'orthographe. Oui. Buonasera, Gina. Buonasera. Il faut que je vous dise... Gina, pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Où étiez-vous passé? C'est pas vos oignons, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait quelques transformations. Oui, ça, j'avais vu. Où est Lord Byron? Là. Qui est Lord Byron? C'est ça, Lord Byron. Magenta, la police a perquisitionné le bureau suite à votre disparition. Aucune importance. Maintenant, la seule chose importante, c'est cette histoire sur laquelle nous planchons. Et j'aimerais bien vous en parler si toutefois ça vous intéresse. De quoi s'agit-il? Parfait. Carlo, écris sur ma dictée. À peu près 80 livres. J'ai dit 80. Soit une quarantaine de kilos de plutonium. C'est-à-dire l'équivalent de 9 fois la charge avec laquelle Hiroshima a été bombardée pendant la guerre, sont actuellement sur un camion caché quelque part dans la forêt africaine à la portée de n'importe qui. Une telle quantité de matière fissile représente... Tout ça est très hypothétique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que rien n'est sûr et on ne peut pas alarmer les gens sans que les faits soient sûrs. Moi, je suis tout à fait sûr des faits. C'est moi qui ai caché ce camion dans la forêt. Une telle quantité de matière fissile... C'est sur Scanzano qu'on travaille. D'accord? Or, il semble que Scanzano ait empoché d'importantes sommes provenant d'Oseo. J'espère pouvoir établir que c'est la mafia qui est à l'origine de ces dons. Richard, nous avons enquêté sur Scanzano durant 9 mois et je suis sûr que la mafia ne lui a jamais versé un sou. Quelqu'un a appelé plusieurs fois ces derniers jours. Une femme, une Française, à ce que j'ai pu comprendre, une certaine... Catherine Langlois. Oui. Merci. Je lui ai dit que vous ne travaillez plus ici. Et Sam vous a cherché, lui aussi. J'ai été bombardé chef d'agence. Félicitations, mon vieux. Note ça, Carlo. L'arrogance, c'est de l'idiotie sublimée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, que vous ne voyez pas plus loin que votre nombril, lequel, j'en suis sûr, est particulièrement dépourvu d'intérêt. Les clés!
veux les clés, Laimé. Donne. Tiens. Saloperie. Oui, ça va très bien. Tu es sûr? Oui, oui, ça va. C'est juste une petite égratignure, c'est pas grave. Ça suffit. Carlo? Il n'y a rien, chérie. Tu as ma parole. Papa? Parce que j'ai pu être inquiète. Te voilà rassurée? Je suis vraiment désolé, ma chérie. Je suis contente de t'entendre. Mais moi aussi. Embrasse maman de ma part, s'il te plaît. D'accord. Elle t'embrasse aussi. Bonne nuit, chérie. Bonsoir. Bye bye. Qui est-ce qui s'acharne contre vous? Si j'en savais quelque chose, je pourrais leur filer un coup de main. Vous êtes bien le seul au monde à plaisanter dans une pareille situation. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tout ça rime à quoi? Je me laisserai poser cette question toute ma chienne de vie. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'arrive au sommet d'une montagne, l'arc-en-ciel est passé sur celle d'en face. Et moi, je continue de courir après. C'est ma seule vérité. Quand vous déciderez-vous à mettre un terme à ces luttes intestines? De quoi parlez-vous? Laissez tomber. Comment? Ne tentez pas le diable. Ce journaliste américain a plus d'un tour dans son sac. Il sait mordre. Ne l'y obligez pas. Votre tête est sur le billot, Franck. La magistrate ici présente vous accompagnera. Si la fille vous reconnaît, vous serez inculpé. Vous êtes toujours décidé, vous êtes sûr? Oui, allons-y. J'aime mieux percer l'abcès ici que devant un tribunal. Où est-elle? La voilà. C'est une gamine. C'est bien le problème. Buona luna fresca! Evviva! Buongiorno. Buongiorno, signor Amento. Che pesce sono? Abbiamo scorpani, seppie, salmoni, merluzzi, astici, dentici, cefali. Quanto costa? Questi 16.000. Grazie. Questa? 25, guardi come sono fresche. Grazie. Abbiamo grazie. Salmoni? No, grazie. C'est l'homme qui t'emmène chez lui. C'est cet homme, c'est lui, c'est lui. Eh non, celui-là, c'est pas l'autre. Tu ne le reconnais pas? Maman, maman, lequel? T'as fait peur, regarde-le, celui-là, idiote. Mais... arrête, allez, suivez-moi. Elle a peur de lui, c'est pour ça, elle a trop peur. Maman, mais maman, maman. Lâchez-moi. Vous voilà hors de cause. On en veut vraiment à votre peau. Et je crains que ça n'en reste pas là. Bien sûr. Entre autres, parce qu'on sait que je sais où le plutonium est caché. Hélas, je ne connais pas toute l'histoire. Vous donneriez votre vie pour un article? Non, j'y tiens trop. Mais nous savons en tout cas que la suite aura lieu à Paris, avec Steuben. C'est celui-là. J'ai mes raisons de mener cette lutte, mais par contre, j'ignore les vôtres. J'ai un profond dégoût de la corruption. Comme soldat et comme Italien, je sers ma patrie. Je sais que c'est pas très à la mode. Non. Il nome? Paolo Acquani. Paolo. Grazie. Grazie a lei. Franck! Franck! Carlo? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai retrouvé le camion frigo qui a servi à transporter le cadavre du marin. Ah oui? Formidable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais déjà, tu vas transmettre cette information à Paolo Acquani. Tu sais de qui il s'agit? Non. Si, c'est le gars que j'ai engueulé au bureau hier soir. Il est de notre côté. Ah, ok. Ensuite? Ensuite, tu vas au bureau et tu attends mes nouvelles. Taxi! Vous repartez? Oui, 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 je vais à Paris. Tu gardes ça pour toi. Hein? Momento, por favor! T'as quelques lire? Oui, attendez. Juste de quoi aller chez moi et à l'aéroport? Alors, tenez. Ça ira, merci. Souhaite-moi bonne chance. So. Bonne chance. Jacques.
Monsieur Western Morning News. Approchez. Approchez. Je me demande si vous êtes payé ou s'ils vous ont forcé. C'est une idée originale d'utiliser un journaliste comme coursier. Asseyez-vous. Pour Jacques. Maintenant que tout a foiré, il a pour mission de m'éliminer. Il a retrouvé le camion, monsieur Magenta. Il a suivi votre ami, Laimé. Alors, est-ce que c'est par hasard que vous faites ce triste métier, monsieur Magenta? Je suis un modeste journaliste qui essaie de faire honnêtement son métier. Vous avez été le témoin de notre petit manège sur la plage. Alors, vous savez tout. L'enjeu n'est pas celui que vous croyez. Il est là, le véritable enjeu. C'est l'argent, pas le plutonium. Mais quel argent? Celui de l'UNC, pardi. La provision pour le plutonium versée par les Sud-Américains, 30 millions de dollars blanchis comme convenu, ici, à Paris. 30 millions de dollars? Comme provision de quoi? Un acompte sur le prix global que les Sud-Américains doivent verser à la livraison, soit encore 100 millions de dollars. Vous aviez cru que l'important, c'était les conteneurs. L'important, c'est ce qu'ils valent. Plusieurs millions de dollars, est-ce que vous réalisez? Cash. De l'argent anonyme, cash. Vous êtes arrivé avant Jacques. Pourquoi ne pas y aller vous-même? Le billet d'avion est dans le porte-document, sur Concorde. Demain, vous n'avez qu'à confirmer la réservation. Allez à l'UNC. Demandez-leur ce qu'ils comptent faire de 300 millions de dollars en petites coupures. C'est le pouvoir nucléaire, monsieur Magenta, l'énergie, la mine d'or du futur. Pas la bombe, la chaleur, la lumière, l'énergie. Ne la loupez pas, c'est une trop belle histoire pour votre journal, si vous vous en sortez. Sans doute, mais je ne suis pas sûr que le journal en question veuille encore de moi. Je n'ai aucun avenir, monsieur Magenta. Je n'ai plus que des ennemis prêts à me tuer. Alors surtout, dites-leur bien, à tous là-bas, que je m'en suis sorti, sans leur aide. Et que il est inutile qu'ils se vengent sur des innocents. Oui, j'écoute. Charlie, c'est Franck. Franck, mais où étais-tu? Mais tu te rends compte que... Ferme-la, écoute. Ton cousin a toujours sa compagnie de taxi? Oui. Bon, j'aurais besoin de 3 taxis pour une journée. Ah, t'es toujours aussi cinglé, toi. Mais tu imagines ce que ça va coûter? C'est Magenta. Magenta? Non, non, c'est pas Magenta. Allô, oui. 3 taxis. Avec radio téléphone. T'as compris? Oui, entendu. Bonjour, Georges. Oh, Catherine, je me faisais une telle joie. Vous saviez que je t'avais négocié du plutonium à l'Utrecht? Oui, j'ai aussi entendu parler de ça. Nous avons reçu des assurances de la CIA. Il ne s'agit que d'une rumeur. C'est une affaire qui relève du droit international. Ce sont les autorités militaires des pays concernés qui ont la responsabilité de ce genre de choses. Merci, je ne sais pas. Ne me passez pas mes appels, Sandra. Bien. Je mets sur pied une commission d'enquête indépendante sur les activités de M. Stoiber. Elle étudiera aussi ses contrats avec l'UNC.
Il me semble, ma chère Catherine, que vous allez au-delà de vos prérogatives. Steuben a des filiales établies en France, en Suisse et en Afrique. Travaille à la Commission atomique européenne, je vous signale. Et en tant qu'expert, je peux à tout instant ordonner une enquête si j'estime qu'elle est nécessaire. Un représentant de M. Steuben arrive de Paris tout à l'heure. M. Jacques Clermont. Il serait souhaitable, je crois, que vous en discutiez avec lui. En tête à tête, bien sûr. Vous êtes descendu à quel hôtel? Edison. J'espère que vous ne m'avez pas traîné à Paris pour rien, Carlo. En fait, je vous ai menti pour que vous m'emmeniez avec vous. Monsieur Magenta n'est pas à Paris, mais c'est lui qui m'a demandé de vous amener ici. Vous devez un billet d'avion à l'État italien, mon garçon. Et vous mériteriez une bonne fessée. Qu'est-ce qu'on cherche? Un retrait de 30 millions de dollars était prévu pour hier ou aujourd'hui. Probablement une traite sur une banque parisienne. Oh, mon Dieu. C'est vous qui avez insisté pour venir. Inspectez les lieux, Carlo. Et regardez dans les tiroirs. OK. Davis. Un avis d'opération de 30 millions de dollars, signé par Steuben et un certain Davis, George Davis. Le premier versement arrive aujourd'hui. C'est un homme de confiance de Steuben qui nous l'apporte. Un certain Jacques Clermont. 30 millions, ça devrait vous suffire pour les semaines à venir. Vous voulez dire que votre signature figure au bas d'un chèque de banque qui circule dans Paris? Monsieur Clermont l'aura sûrement retiré de la circulation. Écoutez-moi bien. Vous sortez par là, vous vous retournez pas et vous disparaissez. Et vous oubliez mon nom, mon visage et ce que je viens de faire. C'est dans votre intérêt aussi, croyez-moi, d'accord? Allez-y. Par ici, monsieur Clermont. Bien reçu. Au-delà, je peux d'une semelle. T'inquiète pas, Rusty. Rusty, tu me reçois? Ouais, je le suis. Ralentis un peu, toi. Bon voyage, monsieur Clermont. Hein? Oui. Rapproche-toi. Arrête. Tu veux qu'il nous repère ou quoi? N'importe quel tocard se rendrait compte qu'il est suivi. Charlie, mais qu'est-ce? Ne perdez pas! Accrochez-vous! Il a pris un sens interdit! Ils sont cinglés! Vous me recevez? Si, où es-tu? Je vais rester à la 31!
La vache, il a pris la route à la contresens. Ne perdez pas à bon sens. Attention, mes frères. Donnez la mallette à mon assistant. N'essayez pas de nous suivre, c'est compris? Et prenez contact avec le bureau de M. Davis. Charlie! Quoi? Ne les lâchez plus! Hein? La mallette pleine de pognon, elle est dans la voiture! Ah! Là! Allez! Catherine! Franck, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Ça va très bien, mais d'où tu sors? J'y comprends rien. Qu'est-ce que tu transportais dans ta valise? Une très grosse somme d'argent. Comment as-tu été au courant que je venais ici? Mais je te jure que j'étais pas au courant. À l'UNC, on m'a dit qu'un certain Jacques Clermont devait venir. Alors j'ai foncé à l'aéroport, espérant être la première à parler avec lui. Et je te vois embarquer plus ou moins de force dans une voiture. Alors je t'ai suivie. J'ai rédigé un brouillon de mon rapport pour Bruxelles. L'UNC nie toute relation avec l'affaire. Tu es passé à l'UNC? Oui. Avec ce rapport? Oui. J'ai peur, Franck. Je ne sais pas dans quoi on a mis les pieds. Avec ce qui nous pend au nez, je crois que tu ferais bien de trouver un autre hôtel. Oui, c'est possible. Faut quand même que j'y retourne. Mes documents sont dans la chambre, je dois les récupérer. De toute façon, je tiens à finir ce rapport. Tu en as un double ailleurs? Une disquette au bureau. Il te faut combien de temps pour le finir? J'ai besoin de 2 heures ou plus. Est-ce que tu crois que ton journal voudra publier ton histoire? J'en suis sûr, mais il faut que j'arrive au bout. Il y a encore trop de choses que j'ignore. Je me dépêche. Oui. Je te promets que je reviens très vite. Tu restes dans ta chambre et attention, tu ne laisses entrer personne, à part moi. D'accord? Bien, chef. Embrasse-moi. Une seule fois. En attendant. Charlie, je voudrais pas être indiscret, mais où est passé le pognon? Je l'ai perdu. Où ça? La voiture est garée en ville. Quand je suis arrivé, les types n'y étaient plus. Attends, j'ai l'adresse. Qu'est-ce que j'en ai fait, moi? Attends, voilà. Voilà, 717 Barnes Street. Thank you.
dog, s'il vous plaît. Ah, non, non, attendez, pardon. J'avais oublié, j'ai pas d'argent. Bonjour, vous êtes le bienvenu. Est-ce que je peux vous aider? Oui, je voudrais apporter ma contribution à la campagne. À qui dois-je m'adresser? Il faut voir le trésorier, si vous voulez bien me suivre. Ce sera au premier étage sur votre droite. Quelqu'un vous recevra. Merci beaucoup. Je vous en prie. Clermont! Prévenez les sécurités. C'est Clermont, le représentant de Steuben. Non, c'est Frank Magenta du Western Morning News. Non, c'est pas vrai! De toute façon, il n'ira pas loin. Comme ça, on sait où le trouver. Je voudrais envoyer un fax à Bruxelles, s'il vous plaît. Bien, madame, quelqu'un va monter. Entendu. Je vous remercie beaucoup. Service d'étage. Oui. Service d'étage, madame. Ça baigne? Comment ça va, Franck? Bien. Oui, Charlie. Charlie, il est là. Ah ouais, merci. Charlie! Franck, nom de Dieu, ça m'a coûté 500 dollars, cette histoire de taxi. Mais c'est quoi cette putain de mallette? Trop long à t'expliquer, mais je te revaudrai ça. Où est Sam? Là, au bout. Ok, merci. Sam? Oh, Franck, tu ne peux pas choisir un autre moment. Ah, commence par, allez, il paraît que tu m'as viré, merci. Ouais, ben parlons-en, crois que tu m'as laissé le choix. Qu'est-ce que j'ai fait? On ne soit pas de mauvaise foi, hein, s'il te plaît. Tu as disparu un beau matin, personne ne savait si tu étais encore en vie. Et le jour où j'arrive enfin à t'avoir, tu me raccroches au nez. Et tu refuses toujours de collaborer avec mon associé, que tu traites avec le plus total mépris. Et puis il y a bien pire que ça. Tu ignores des sujets de la plus haute importance et tu diriges le bureau de Rome comme si tu en étais le seul maître après. Ah ouais, alors tu me tends bien heureux, ça, parce que c'est toi qui vas publier demain dans ton canard le plus beau scoop de l'année et peut-être du siècle, alors te plains pas. Qu'est-ce que tu racontes? Tout est là, Sam. C'est la fameuse histoire que ton abruti d'associé a jugée sans intérêt à Rome. Environ 40 kilos de plutonium, soit l'équivalent de 5 fois la bombe d'Hiroshima, ont été vendus au marché noir 130 millions de dollars et payés en liquide par le canal des comités de soutien. John Scanzano. J'espère que tu es en mesure de le prouver, Franck. Oui, et crois-moi, je le regrette. Karen, vous me faites une photocopie et vous m'apportez un magnéto. Et tu as combien de sources dans cette affaire? Une demi-douzaine. Où ça? En Afrique, ici et en Europe. Tu as demandé à Scanzano ce qu'il en pensait? Je vais prendre contact. Tu auras une exclusivité? Ça ne devrait pas être difficile. Écoute, je sais que vous êtes liés depuis longtemps, mais l'entretien devra être enregistré. Oui, je sais. Et merci, Karen. Tiens, tu prends ça. Et ça, et tu fonces. Et tu m'appelles dès que possible. Il y a un léger petit problème, patron. Lequel? C'est que j'ai été renvoyé. Oh, oui, mais écoute, du point de vue légal, ça n'avait aucune valeur. Ah non? Alors j'ai quel statut? Eh bien, disons que tu es... disons, réintégré. Réintégré, jolie formule, Sam. Voilà. Merci infiniment. Allez, au boulot maintenant. On y va. Peut-être là-haut qui est ouvert. Oh la pauvre, quelle horreur! Pardon, excusez-moi. Je suis de la presse. Thank you.
Allô? Suzanne! Papa? Emma, tu vas bien, ma chérie? Oui, ça va. Mais où es-tu? À l'étranger? Je suis ici, je t'appelle d'une cabine, chérie. Tu sais, maman est venue me chercher à Rome. Écoute, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, chérie, mais pour l'amour du ciel, allez-vous-en de l'appartement, ta mère et toi. Maman n'est pas là, elle travaille. Alors rejoins-la. Tu m'entends? Rejoins ta mère, tu n'as qu'à l'appeler sur son chantier, comme ça... Qu'est-ce qui se passe, là? Une minute... Hé! Hey! Arrêtez! Arrêtez! Emma! Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Hey! À qui parles-tu, là? Oh! Papa? Papa, réponds-moi! Papa! 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 T'es toujours là? On sait rien. Écoute, tu vas prendre un taxi et tu vas rejoindre ta mère immédiatement. D'accord? Ok. Bonjour, Emma. Bonjour. Maman est toujours là? Oui, elle est au dernier étage. Tu veux que je t'accompagne? Et l'ascenseur, il fonctionne? On vient de le remettre en service. Il fonctionne. Je peux le prendre, alors? Je vais t'ouvrir. John. Ah, je suis content de te voir. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que je te sers? Tu veux un café ou autre chose? Non, rien, je te remercie. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Est-ce que le Western Morning News est enfin décidé à prendre notre campagne au sérieux? John, c'est vraiment gentil de m'avoir reçu aussi rapidement. C'est la moindre des choses. T'as l'air ennuyé, Frank. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je crois que c'est pour toi qu'il y a quelque chose à faire. Je travaille sur un sujet qui me concerne personnellement maintenant. Un certain nombre de personnes ont été tuées, dont une qui me touche de très près. C'est vrai, je suis désolé. Lis ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est une ébauche de rapport rédigée par Catherine Langlois. C'est une scientifique qui travaillait pour la Commission atomique européenne à Bruxelles. On l'a défenestrée à son hôtel, voilà, environ 2 heures. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? J'avoue que je ne comprends pas. Je peux nous enregistrer à partir de maintenant. Oui, bien sûr. Assieds-toi. Merci. John. Il y a un aspect de votre campagne qui est contradictoire avec la ligne qu'avait défendue votre parti dans sa plateforme. Il s'agit du refus de soutenir le parti des antinucléaires et d'appuyer leur mouvement. À tel point qu'à un certain moment, on a craint que cette attitude ne vous fasse rater l'investiture. Mais ça n'a rien de secret, voyons. Tout au long de cette campagne, je n'ai pris parti ni pour ni contre l'énergie nucléaire. Vous ne croyez pas qu'on peut dire, au point où nous en sommes, que le lobby du nucléaire a désormais grand besoin d'un protecteur à la Maison-Blanche? Il faut voir les choses comme ça, en effet. Mais je vous assure que je ne serai pas cet homme-là. Si je ne suis pas opposé au nucléaire, je ne le soutiens pas pour autant. Est-ce que c'est clair? John, pourtant je dois vous dire que je suis en mesure de prouver que votre organisation est actuellement infiltrée par des pro-nucléaires forcenés et qu'ils se sont servis des caisses de votre organisation pour blanchir 30 millions de dollars. Quoi? Et bientôt une autre somme de 100 millions de dollars. Comment? Mais d'où sors-tu ça? Donc, vous n'étiez pas au courant? Oui. Non, il est là. Non, je vous l'apporte, ne vous dérangez pas. J'en ai pour une minute. Je peux téléphoner, John? Bien sûr. Écoute, restez où vous êtes. J'arrive dès que ce sera possible, d'accord? On t'attend en bas avec le vigile. Voilà. Et vous restez avec lui. À tout à l'heure. Allez, vas-y. Maintenant, dis-moi tout ce que tu sais, s'il te plaît. Je vais essayer.
L'argent provient de la vente en sous-main, bien sûr, d'une quantité très importante de plutonium, organisée par l'UNC et ses services. Il a transité à Paris et a fini dans les caisses de vos comités sous forme de dons individuels. Mais pourquoi cette campagne? Pourquoi moi? Parce que l'UNC est prête à tout pour favoriser l'élection d'un président plus ou moins acquis à sa cause. Et oui, John, tu es la dernière et la meilleure chance que le lobby nucléaire aura jamais. Tu es sûr de ce que tu avances? Absolument, John. Regarde. Qui est ce type? C'est Jack Wells. Expert en environnement, c'est lui qui dirige ma campagne. Ce mec est le pro-nucléaire au sein de ton organisation. Jack Wells. Il travaille en fait pour George Davis de l'UNC. Tu es sûr de ça? John, tout à l'heure, j'ai remis à ce monsieur une somme de 30 millions de dollars en liquide. Oh, toi, tu lui as donné une somme pareille? Écoute-moi, au cours de l'enquête, j'ai pris la place de quelqu'un qui devait transporter les fonds. Il fallait que je garde un contact quand leur organisation a foiré à Paris. J'ai remonté la filière jusqu'ici, John. On a les numéros des billets. Et je peux identifier personnellement l'agent des douanes américaines qui s'est sucré au passage et m'a laissé entrer. Tu me crois ou pas? C'est pas que ce soit agréable, mais est-ce que j'ai le choix? Oui, je suis obligé de te croire. Alors il faut rendre cet argent et dénoncer publiquement ce Wells. On va le rendre, bien sûr, tu penses bien qu'on ne va pas le garder. Mais dénoncer Wells à quelques jours des élections, sur le plan électoral, c'est un désastre. Peut-être. Mais à mon avis, ce sera encore pire après les élections. Alors, ça veut dire que je suis mort sur le plan politique. Ça, ça reste à prouver, John. Qui d'autre est au courant? Pour l'instant, personne. Tu le publies quand? C'est pas moi qui décide. Sam voudra que ça sorte aussi vite que possible, demain matin peut-être. Laisse-moi quelques heures, le temps que j'organise une conférence de presse. J'ai encore des points de détail à éclaircir, de toute façon. John, je suis sincèrement désolé. Ouais. Moi aussi, je suis désolé. Monsieur, Monsieur Morelli de Rome est toujours en ligne. Je ne connais pas de Morelli à Rome. C'est vous qui avez tué le carabinier à l'hôpital. Une balle dans l'épaule. Et deux, en plein cœur. Vous êtes foutu, Morelli. J'arrive de Rome, je cherche Mademoiselle Magenta. Maman, il faudrait qu'on descende. Excuse-moi, chérie. Tu as raison.
Allez! Pourquoi on s'arrête? J'en sais rien! Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Fais quelque chose! Essaye, mais ça ne marche plus! Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un! Au secours! Tiens-toi! Emma? Emma, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Carlo! Oui, c'est moi! Appelle la police! Dépêche-toi! Ils sont sur la terrasse! Je vais tout de suite! Je reviens! Ouvrez-moi cette putain de porte, merde! Il faut faire quelque chose! Défoncez la porte, vite! Mais faites quelque chose! Dépêchez-vous! Suivez-moi! Vite! Il y a deux femmes qui sont accrochées là-haut! Par ici! Et je crois qu'ils sont armés, faites attention! Oh non! Oh non! Oh non! Regardez! Là-haut! Elles sont sur la nacelle! Emma! Emma, je suis là! Allô, mademoiselle? Il y a une heure que j'essaie d'obtenir un numéro, la ligne a l'air d'être en dérangement. C'est extrêmement urgent, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ici. Rien. Hein? Juste une panne d'ascenseur. Pourquoi il est là, lui? Pourquoi il n'est pas à Paris? Je signale qu'il vient de nous sauver. Bon, alors, t'es allé à Paris avec Aquani. Comment ça s'est passé? Assez mal, il a pris une balle. Quoi? Il a été que légèrement blessé. On a trouvé ça pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le, vous verrez. Oui, l'original. Au FBI. C'est ça qui me manquait. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un document prouvant que Davis est impliqué dans la vente du plutonium et qu'il a détourné les fonds de la campagne. Oui, mais Scanzano dépend des valeurs qui sont les nôtres. C'est pour ça que je ne doute pas une seconde qu'il va prendre la bonne décision, quelle que soit l'étendue des dégâts. Pourquoi? Le juge d'instruction sera très content de vous entendre. Magenta, Western Morning News. Juste une petite question. Combien est-ce que ça coûte de faire balancer quelqu'un d'une fenêtre dans les meilleurs hôtels de New York? Je doute que le prix de la chambre incluse ce genre de service. Écoutez, monsieur Magenta, depuis que la Terre existe, le progrès a toujours gagné. L'histoire a toujours fait fi des gens comme vous. L'histoire? L'avenir seul compte pour l'humanité. Et l'humanité a toujours besoin de nouvelles sources d'énergie. Nous représentons la seule source d'énergie digne d'être exploitée. Je n'en connais pas d'autre. Elle permettra de fournir chaleur et nourriture à des milliards d'individus de par le monde. D'ici à la fin de ce siècle, d'innombrables surgénérateurs vont fournir de l'énergie à toute la planète. L'avenir est là. Encore une question. Vous l'avez retrouvé, votre plutonium, en Afrique? Monsieur Davis. J'ai en main un document bancaire portant votre signature. L'original est entre les mains du FBI. Un commentaire. C'est gentil. Je vous remercie.
une conspiration, monsieur le secrétaire. Contre notre démocratie, dont notre institution est un maillon essentiel. Nous croyons à la démocratie. Et nous entendons la faire respecter. Vos poignets. Un ami, directeur de ma campagne, Monsieur Jack Wells, a mis sur pied, pour ma campagne électorale, un réseau de financement parfaitement illégal, et cela dans le but d'utiliser ma candidature. J'ai donc demandé à M. Wells d'abandonner sur le champ les fonctions que pendant plus d'un an il a occupées à la tête de notre comité de soutien et je l'ai incité à se rendre à la justice, laquelle vient de lui signifier son inculpation. En prenant ces mesures, j'ai voulu vous faire juge. Je m'en remets à la nation. Et je tiens à annoncer solennellement ici ma résolution de faire en sorte que cette mésaventure nous serve de leçon. J'affirme que la morale et l'honnêteté reste les axes privilégiés de ma campagne. Tu sais que je suis très fière. T'as droit à toute la première page. Magenta dénonce les manœuvres du lobby nucléaire. Et regardez, il y a même une photo de vous. Oh là là. Ils auraient pu choisir une autre photo, croyez pas? À la suite des déclarations de John Scanzano et des preuves apportées par le Western Morning News, George Davis, président de l'UNC, doit comparaître aujourd'hui devant la Cour fédérale. Monsieur Davis, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Pour la presse, monsieur Davis. Monsieur Davis, est-il vrai que plusieurs personnes auraient trouvé la mort dans cette affaire? Je n'ai aucune déclaration à faire. Oh non. J'en ai pour 5 minutes. Attendez, monsieur. Non, une question. Dans combien d'années il a dit qu'il reviendrait? Il doit être sur un gros coup. Il est toujours sur les gros coups. Sacré vieux fonte.